Thierry, bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 13e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie, qui est consacré aujourd'hui à une question de recherche, donc celle du lien entre transition écologique et territoire, mais également à la question résilience des territoires face à la crise. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Bourdin, donc, qui est enseignant-chercheur à l'EM Normandie. Caroline Mini, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. Hélène Peskin, architecte et urbaniste en chef de l'État et secrétaire permanente du plan urbanisme construction architecture, UCA. Olivier Portier, analyste territorial à OP Conseil et pilote d'un nouvel observatoire qui s'intéresse aux impacts territoriaux de la crise. Et enfin, Pierre Vels, ingénieur du Corps des Ponts, sociologue, économiste et ancien président de l'établissement public Paris-Saclay. Donc aujourd'hui, nous allons parler transition écologique, nous allons parler freins locaux au développement de nouvelles sources d'énergie, du rôle des collectivités territoriales dans la transition écologique et nous allons parler de la question de la mesure des impacts environnementaux des activités productives sur les territoires. Sans plus tarder, je vais donc donner tout d'abord la parole à Pierre Vels pour introduire ce séminaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, moi, j'ai compris qu'il y avait en fait trois termes quand même. Il y a le territoire, la transition, je préfère dire les transitions écologiques, parce qu'en fait, il y a évidemment la question de la décarbonation, mais il y a aussi la question de la gestion des ressources. Et puis, il y a la question de la biodiversité. Je crois qu'il ne faut jamais oublier de regarder tous ces aspects-là en même temps. Et puis, il y a un troisième terme quand même qui est le mot industrie, peut-être entreprise de manière plus générale, parce que je pense que c'est intéressant de réfléchir. En général, on réfléchit la question de relation entre territoire et les transitions écologiques plutôt à partir du monde public. Là, je pense que c'est intéressant aussi de réfléchir un peu peut-être à partir du monde privé, du monde des entreprises. Alors, je vous propose très rapidement trois points, trois petites réflexions au préalable. La première, c'est que, justement, si on prend les territoires comme des assemblages d'entreprises, on voit qu'en général, ces entreprises sont très, très différentes dans leur process. On a assez peu en France de territoires, on va dire un peu de type cluster, où des entreprises sont, il y en a, mais enfin, ce n'est pas la majorité. Et donc, une question qui se pose, c'est que chacune de ces entreprises va être confrontée à des enjeux très spécifiques, très différents d'une entreprise à l'autre. Et une question, je pense, qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a un rôle pour le territoire là-dedans? Est-ce qu'on peut, par exemple, apprendre en commun? Ça se fait sur d'autres sujets, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, peut-être que ça se fait dans certains endroits, j'en sais rien, que les entreprises apprennent ensemble, même si elles sont a priori sur des sujets, des process et des enjeux très très différents. Bon, ça, il me semble que c'est un sujet qui est relativement ouvert aujourd'hui, hein. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de réflexion et d'expérience. En tout cas, c'est peut-être mon ignorance qui me fait parler comme ça, mais je crois que c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, évidemment, c'est le fameux sujet qu'on va aborder, de la circularité. Bon, disons de l'écologie industrielle au sens très, très du terme. On perçoit en fait que c'est un sujet qui est évidemment beaucoup, mais j'ai le sentiment que dans la pratique, c'est quand même extrêmement difficile à mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas où on en est d'un certain nombre d'expériences, mais je sais que quand j'étais à Saclay, on parlait beaucoup. Il y avait un institut de la transition énergétique, qui s'appelait Paris-Saclay S2E. On me dit que ma connexion Internet est instable. Ça passe quand même, on m'entend. Vous êtes un tout petit peu coupé, mais on vous entend. Peut-être Bon, que vous peut-être que je me pouvez rapproche. éteindre la vidéo pour gagner en bande passante. Bon. Il y avait l'exemple de faire un grand projet d'écologie industrielle. Bon,
mes déchets sont vos ressources. Enfin, vous connaissez la théorie sur le port du Havre. Je sais que ça n'a pas du tout marché. Je crois qu'il y a un autre projet sur Dunkerque, mais peut-être qu'on en parlera, ce matin. Je pense que la raison de fond de cette difficulté à mettre en œuvre, c'est qu'on est dans des systèmes d'interdépendance interterritoriale aujourd'hui, à moyenne échelle et parfois à très grande échelle, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a tendance à imaginer. Quand on fait la carte des flux, quand on regarde d'ailleurs aussi, on fait ça aussi sur les métabolismes urbains, vous savez, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un peu une illusion d'optique souvent d'imaginer que nos villes, nos territoires sont des espèces d'îles reliées par des systèmes de flux avec le monde extérieur, alors que les systèmes de flux sont absolument massifs et que la partie vraiment île est finalement beaucoup plus limitée que ce qu'on croit. Donc là, il faudrait trouver d'autres métaphores. Le troisième point sur lequel j'insiste peut-être un tout petit peu plus, c'est que c'est celui du territoire qui est, alors cette fois-ci pris globalement, hein, entreprises privées, publiques, etc., tout confondu, et puis surtout habitants et citoyens, territoire pris globalement comme à la fois acteur et vecteur privilégié peut-être des transitions écologiques. Au fond, aujourd'hui, c'est une idée qui est maintenant extrêmement répandue. C'est au fond, cette équation qui je pense, même passée un peu dans l'opinion publique, que le local serait l'échelle pertinente, à la fois pour, évidemment, pour l'adaptation, par exemple, au changement climatique. Ça, on comprend bien qu'il y a des spécificités locales très, très fortes et que les politiques ne vont pas être les mêmes selon les endroits géographiques où on se trouve, mais aussi un vecteur privilégié pour les politiques d'atténuation et politiques de transformation de fond. Alors ça repose sur plusieurs idées. Il y a l'idée qui est très répandue, pas seulement en France, qu'au fond le local, au sens des pouvoirs publics locaux, serait bien mieux placé que les États pour gérer les transitions, essentiellement parce qu'il est plus proche du terrain, donc plus apte à saisir la dimension systémique des choses. Alors que les politiques nationales, on le voit dans le débat actuel d'ailleurs, sont quand même fondamentalement des politiques en silo, où chaque département ministériel, chaque grand système de lobby aussi gère son propre. Alors qu'au niveau local, on voit bien que les choses sont. On est a priori plus directement confronté au caractère systémique des transitions. En réalité, on voit que si on prend les services techniques des grandes villes, ils reproduisent souvent les silos qu'on trouve aussi à l'échelle nationale. Enfin, il y a cette idée-là. Et puis, il y a plus généralement l'idée que le local, parce que il met les matrices privilégiées à la fois pour la prise de conscience des problèmes, des questions, et aussi pour la mobilisation subjective, j'allais dire, des personnes. Bon, ça, c'est par exemple la thèse de Renaud Latour, qui dit, si on veut mobiliser les gens, il faut partir de choses très concrètes, lui parle de la subsistance, etc. Donc, je crois que cette idée-là, aujourd'hui, est extrêmement, extrêmement forte, et elle aboutit, comme je viens de le dire, à l'identification, au fond, entre l'idée de proximité, l'idée de rayons courts dans tous les domaines les enjeux de l'écologie. Alors, la question, à mon avis, je ne vais pas le développer rapidement, mais c'est parce qu'il faut que j'abrège, c'est que je pense que c'est très variable selon les domaines, quoi. On voit bien que pour l'énergie, évidemment, il y a un enjeu de décentralisation qui est extrêmement, extrêmement fort, hein, que c'est un changement de paradigme très, très profond dans l'énergie. Dans d'autres domaines, c'est moins évident. Un cas évidemment extrêmement intéressant, c'est celui de l'alimentation. Moi, j'étais très frappé d'entendre les gens à la fois de la grande distribution et aussi des entreprises agroalimentaires expliquer que maintenant, pour les consommateurs, très souvent, l'origine locale des produits était plus importante que leur caractère bio, par exemple. Hein, le local est devenu un argument de vente extrêmement, extrêmement déterminant. Alors que lorsqu'on regarde les choses
froidement et à plat, énergétique, par exemple, l'essentiel, ça reste la production des biens alimentaires. La production, l'amont et l'aval de la chaîne, le transport comptant finalement pour très peu, quoi. Et donc, enfin, on pourrait démonter comme ça l'arithmétique des locavores pour montrer toutes sortes de paradoxes. Et même en termes de résilience, si vous poussez la provocation, on peut voir que parfois les grandes chaînes internationalisées ou enfin, à longue distance ont mieux tenu le choc que les chaînes locales. Enfin, ça veut dire qu'en termes de résilience, si on veut faire du local-local, on peut aussi structurer peut-être plus fortement ces chaînes locales. Mais je termine là-dessus, l'enjeu, vous voyez bien, il n'est pas technique, quoi. Je veux dire que si on s'en tient à ce raisonnement technique, on est quand même un peu à côté de la plaque et à côté du sujet. Je crois qu'il y a... C'est là qu'on voit que les questions écologiques, elles sont profondément liées aussi à des changements culturels et à des questions sociales. La force du locavore, enfin du galaxie locavore, c'est quand même aussi le lien social. Et puis cette force vient du fait que ça rentre en résonance, je n'ai pas développé ça, j'ai écrit pas mal là-dessus, avec un changement plus global des valeurs qui particulièrement actif dans la jeune génération, qui est autour des notions d'autonomie, les notions de la réhabilitation du faire, finalement de reprendre de la maîtrise sur sa propre trajectoire. J'appelle ça une révolte générale contre l'abstraction. Je ne vais pas développer ce point. Donc pour conclure, je dirais de ce point de vue-là, moi, oui au local, mais peut-être non au localisme. Il y a une frontière là qui peut être un peu... localisme, c'est... C'est à la fois une illusion, mais ça peut être aussi une forme de repli. Il faut absolument rester conscient des interdépendances qui, je l'ai dit, sont considérables, pas seulement techniquement et économiquement, mais aussi socialement. Il faut quand même, moi je rappelle toujours que les interdépendances, notamment par le biais de l'état social, sont absolument majeures dans la réalité des territoires. Et quand on y réfléchit, c'est bien elles qui nous ont permis de faire face dans des conditions de résilience que moi je trouve tout à fait remarquables à la grande pandémie qu'on est en train de vivre. Pardon d'avoir été sans doute trop long. J'ai dû dépasser les 10 minutes qu'on m'avait attribuées. Mais voilà, je voulais un peu lancer la discussion en insistant sur le fait que c'est des sujets que je pense qu'on peut les traiter en ingénieur, on peut les traiter techniquement, mais je pense qu'il faut aussi les traiter en tant que des sujets sociaux, parce qu'au fond, dans tous ces sujets-là, c'est quand même ça, la mobilisation des gens et la capacité d'en discuter de manière démocratique et ouverte qui est cruciale, finalement. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez évoqué au tout début de votre intervention la circularité. Donc, oui. Je vais me tourner à présent vers Monsieur Bourdin. Déjà, pour lui demander de nous apporter un éclairage sur le concept d'économie circulaire et de faire un point focal sur le procédé de méthanisation auquel il s'est intéressé lors de ses travaux des dernières années. Alors donc effectivement, je pense que pour rejoindre ce que disait Pierre Vell juste avant, la question de l'économie circulaire, d'abord, elle part de trois constats. Le premier, c'est qu'on a des modes de consommation qui posent problème. Deuxième constat, nous vivons et nous consommons au-dessus des ressources de la planète et du coup, nous consommons toujours plus. Et ce modèle, il devient de moins en moins viable pour l'avenir de l'humanité. Et puis, le troisième gros constat qui a en gros accéléré le souci d'aller vers une économie circulaire, c'est que certaines ressources sont menacées, sont en pénurie. Alors je pense à des ressources qu'on utilise comme régulièrement pour fabriquer des objets, le cuivre, l'argent, le zinc, le nickel, le sable et aussi des métaux rares. Et que ces ressources sont loin d'être en quantité illimitée à l'échelle de la planète. Et donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est de passer d'un système de production linéaire qui a toujours existé dans notre économie. Donc, on extrait de la matière première, on fabrique, on consomme, on jette,
à une économie qu'on pourrait appeler dite circulaire, où là, l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement de l'économie beaucoup plus en boucle, où on se passe de la notion de déchets. Et donc, l'objectif, c'est de produire des biens et des services tout en limitant en quelque sorte fortement la consommation de ressources, le gaspillage des matières premières, et puis en évitant également aussi le gaspillage de sources d'énergie qui sont non renouvelables, en fait. Donc, c'est un concept qui est apparu il y a longtemps, en 1970, mais on va dire qu'en France, avec la loi sur la transition énergétique de 2015 notamment, ça s'est largement accéléré. Et puis, la création de l'Institut de l'économie circulaire en 2012 a aussi accéléré la réflexion en France auprès des différents acteurs de l'économie. Et donc, un super exemple où on a à la fois de l'économie circulaire, un ancrage local et de la transition écologique, c'est la méthanisation. Puisque la méthanisation, c'est un procédé qui est notamment très utilisé dans le monde de l'agriculture, mais également dans le traitement des biodéchets. C'est lui des boues d'épuration urbaine aussi, des effluents industriels. L'idée, c'est simple, c'est une technologie qui est basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique. Et donc, en fait, on récupère des déchets issus de la biomasse pour produire une ressource qui est l'énergie. Alors, soit sous forme d'électricité et de chaleur, ou soit sous forme de biogaz. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce procédé de méthanisation. Et effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont vers la méthanisation parce que ça leur apporte, ça génère des revenus supplémentaires, ça permet de gérer leurs déchets. Et donc, comme ça, d'arriver à un bouclage. Et donc, ces déchets verts deviennent des ressources pour soit chauffer leurs étables, par exemple, mais aussi tout simplement pour produire du biogaz, revendre, et donc qui va permettre d'avoir un revenu supplémentaire pour ces agriculteurs qui s'engagent en méthanisation. Donc voilà un petit peu globalement à la fois ce que c'est que l'économie circulaire et puis la méthanisation qui explicitement est un procédé d'économie circulaire et qui ancre sur le territoire les activités productives, puisque là, concrètement, on se sert des ressources de la biomasse du territoire pour produire ensuite de l'énergie. Et pour continuer sur ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous dire comment les collectivités locales, les populations locales se sont saisies de ces enjeux et quels ont été les freins que vous avez pu observer, les freins locaux qui ont freiné on va dire, le développement de la méthanisation sur les territoires? Alors, cette question sur le déploiement de la méthanisation sur les territoires, elle est très intéressante, puisque je me rappelle quand Ségolène Royal était ministre, elle avait annoncé qu'elle voulait 2000 méthaniseurs sur le territoire en 2020. Aujourd'hui, on en est très, très loin. Et donc, on pourrait se poser la question pourquoi, finalement, la méthanisation ne se développe pas aussi vite qu'elle devrait se développer. Et ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question technique. Là, je rejoins complètement Pierre Veltz sur l'idée que finalement, cette transition écologique et ce déploiement, par exemple, de la méthanisation sur les territoires n'est pas du tout un enjeu technique. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont relativement bien stabilisées, mais c'est un enjeu social et culturel très clairement. La méthanisation, ça constitue effectivement un moyen pour les territoires de travailler à leur transition et aussi à leur autonomie énergétique. De ce fait-là, elles utilisent, comme je l'ai expliqué juste avant, des ressources territoriales locales. Et puis, du coup, ça permet d'avoir cet ancrage des activités. Néanmoins, le principal frein au déploiement de la méthanisation sur les territoires, c'est un frein essentiellement social. C'est-à-dire que, comme pour les éoliennes, on retrouve un phénomène NIMBY, not in my backyard. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, je veux bien que mon territoire aille vers la transition énergétique, mais pas à côté de chez moi. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a retrouvé dans le projet de recherche que j'ai piloté sur le déploiement de la méthanisation en France.
Et ce qu'on retrouve et qui est, à mon avis, vraiment fondamental, et ça permet aussi de répondre à une des questions qui a été posée dans le chat de Bernard Martin sur la question des changements culturels qui demandent du temps et donc quelle modalité sera à mettre en œuvre pour accélérer de manière significative les transitions nécessaires. Bah, dans le cas de la transition énergétique, ce phénomène NIMBY, Not in My Backyard, il n'explique pas tout. En fait, certes, il y a des habitants qui sont riverains de ces unités de méthanisation et qui sont contre les unités de méthanisation. Mais on a aussi trouvé des cas d'études où on avait des riverains qui étaient pour les processus de méthanisation alors qu'ils habitaient juste à côté. Donc, on a essayé un peu de creuser ça. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que la question fondamentale, c'est celle de la pédagogie et du dialogue et de la confiance. Lorsque les riverains ont été associés au projet, on leur a expliqué le projet, lorsqu'on a créé du dialogue et de la confiance entre les parties prenantes des projets de méthanisation, eh ben, on a eu des vrais succès. En revanche, lorsque les porteurs de projets de méthanisation cachaient un petit peu le projet en ayant peur d'avoir une association de riverains qui se crée et qui fasse capoter le projet, eh ben, c'est dans ces cas-là qu'on a eu souvent des oppositions de riverains, justement. Parce que les riverains disaient, bah, quand c'est fou, il y a un loup, en gros, on n'a pas entendu parler du projet, et hop, tiens, on sort un projet du chapeau et on apprend que dans 6 mois, il va y avoir une unité de méthanisation, alors que ça fait 4 ou 5 ans qu'ils sont déjà en train de travailler sur le projet, on n'était pas au courant. Donc, comment ça se fait? On nous cache des choses, pourquoi on n'a pas été mis au courant auparavant, etc. Donc, la question du social, elle est vraiment fondamentale, vraiment, vraiment fondamentale. Et du coup, dans ce cadre-là, pour répondre aussi à votre question, les collectivités territoriales jouent un rôle majeur. Et notamment avec mon collègue Fabien Nadour, on parle du concept d'intermédiation territoriale, c'est-à-dire qu'en fait, ces collectivités, elles vont jouer le rôle de tiers acteurs entre des riverains et des porteurs de projets pour essayer de créer du lien, de générer du lien et d'installer une confiance avec les acteurs locaux. Ce rôle d'acteur d'intermédiaire territorial, il est là aussi pour inciter aussi ces projets à émerger sur les territoires. Et donc là, la collectivité va jouer le rôle de financeur ou de facilitateur via l'aide aux démarches administratives, etc. Donc là, fondamentalement, complètement d'accord avec Pierre Vell sur l'idée de dire que ce n'est vraiment pas le volet technique qui est important dans le déploiement des transitions, dans le déploiement de l'économie circulaire, mais c'est bien une question de l'acceptabilité sociale. Et pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, il faut qu'il y ait de la compréhension des enjeux, il faut qu'il y ait de la pédagogie et il faut surtout qu'il y ait de la concertation. En revanche, concertation ne signifie pas non plus co-décision. À un moment donné, la décision revient souvent à l'acteur public qui va décider d'autoriser ou non un projet, etc. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut expliquer dans ces processus de concertation parce que parfois, il peut y avoir des frustrations aussi dans ces processus de concertation et ça, on l'avait également vu dans les groupes de travail dans lesquels on était intervenu lors des réunions publiques sur la méthanisation, etc. Donc voilà, pour surmonter les résistances, la confiance, elle doit être installée, elle est vraiment fondamentale et elle repose notamment sur une communication qui est complètement transparente et c'est à mon avis un des grands enjeux en fait pour ces transitions et le déploiement de l'économie circulaire à venir. Ouais. Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé de pédagogie. Je me permets de relayer une intervention sur le module questions-réponses de Daniel Calvigna qui rappelle qu'il y a des initiatives telles que la fresque du climat qui sont sur Internet et qui permettent justement d'avoir une première approche de tous les enjeux autour de l'écologie, des transitions, etc. Et je relaie aussi également l'initiative qui s'appelle Sulitest et qui permet aussi, enfin, qui est un TOEIC du développement durable et qui permet de tester ses connaissances en développement durable et qui est également en ligne et accessible à tous. Je me tourne à présent vers Hélène Pestine. Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais vous poser la question de savoir comment les villes moyennes se sont emparées du modèle d'économie circulaire, puisque vous avez l'occasion avec le PUCA
d'aller sur le terrain et d'avoir des retours d'expérience concernant la mise en place de l'économie circulaire sur les territoires. Merci, bonjour à tous. Merci à la Fabrique de l'Industrie et à l'Observatoire des Territoires d'Industrie de cette invitation. Peut-être je vais faire un petit détour sur la notion même de transition énergétique et écologique, et j'aime bien différencier les deux, puisqu'on a un enjeu de lutte contre le changement climatique qui est plutôt contre lequel on agit plutôt via la transition énergétique, et on en a parlé déjà sur la méthanisation, mais très globalement, c'est à la fois la réduction des consommations d'énergie et la transformation de nos ressources pour utiliser des sources moins carbonées. Vous m'entendez? Oui. Et il y a également à mettre en place dans les territoires et via les territoires, comme l'a très bien dit Pierre Vell, cette transition écologique qui, elle, est plutôt un rapport global au monde vivant, à la biodiversité, bien sûr, mais plus largement aux écosystèmes et à la reconnaissance, en fait, des ressources qui sont celles d'un territoire, si on prend la question à l'échelle territoriale. Et c'est là que cette notion de territoire, je pense, est très importante, c'est-à-dire que c'est une échelle, quand je dis territoire, c'est une échelle de collectivité locale qui est capable de mesurer, disons, ses ressources. Ces ressources sont à la fois des ressources en biomatériaux, on va dire, ressources agricoles, alimentaires, énergétiques, mais aussi, j'y tiens, et Pierre le disait aussi, ses ressources humaines, son histoire, son patrimoine, ses ressources de savoir-faire, et dans les territoires d'industrie, c'est un enjeu très important aussi de, si on peut dire, de recycler ou de reconvertir des ressources en savoir-faire historiques, et donc des chaînes d'approvisionnement qui préexistent et qui peuvent se transformer pour aller vers des industries éventuellement plus, enfin, dont l'empreinte environnementale, disons, serait plus faible et donc plus en ligne avec cette transition énergétique et écologique. Et si on regarde cette question de l'économie circulaire de manière un peu large, et après je vais en venir aux villes moyennes, en fait elle recouvre des champs d'activité économique très divers, et donc des milieux économiques et des milieux industriels très divers, notamment celui du bâtiment, à la fois pour l'efficacité énergétique et la ressource en matériaux de construction, celui évidemment de la mobilité, on y reviendra je crois, avec la capacité à la fois à réduire les distances parcourues, les distances contraintes, en approvisionnement de marchandises comme en déplacement individuel, mais aussi à transformer par la technologie les moyens de déplacement pour qu'ils soient moins impactants. On a parlé des énergies renouvelables et notamment de la méthanisation. Ça vaut aussi pour le solaire et l'éolien. Les territoires sont capables de produire de l'énergie renouvelable et doivent se poser la question de leurs besoins pour savoir quelle peut être la ressource mobilisée sur le territoire. Et puis, largement, la question de l'économie circulaire au sens des éco-industries, dont on a parlé également, transformation des déchets en chaleur, recyclage, réemploi, et également tout ce qui va être du traitement de l'eau, qui devient un sujet majeur dans les territoires, à la fois en termes d'économie de ressources et en termes de gestion de la pénurie, puisque de plus en plus, ces territoires, et notamment dans le sud de la France, mais pas seulement, sont victimes de pénurie d'eau. Et donc, on voit bien que cette notion d'économie circulaire, elle traverse finalement des systèmes industriels très variés, à la fois pour de la production manufacturière qui ont besoin de ces ressources, en eau, en énergie, en matériaux, et dans la manière dont les collectivités, en partenariat avec ces acteurs économiques, peuvent mieux identifier leurs besoins et leurs ressources et les mettre en relation. Et je rebondirai aussi sur cette notion de participation, de concertation. Je suis, comme les deux précédents intervenants, absolument persuadée que cette transition territoriale se fait avec l'ensemble de la société locale, comme je l'appelle, la société civile locale, c'est-à-dire des partenariats entre habitants, entreprises et collectivités, qu'il y a évidemment un certain nombre de décisions qui ressortissent de la décision publique, hein, des pouvoirs publics et de la feuille de route que se fixe la collectivité dans un sens de transition, mais sans la participation des habitants, on l'a vu, des citoyens au sens large et des milieux associatifs, notamment pour tout ce qui est recyclage, par exemple, et réemploi, sans la participation des entreprises qui doivent réinventer elles-mêmes leur propre process de production, leur chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas mettre en œuvre ces transitions territoriales. Donc, c'est très important que cette notion de participation soit réelle, pas seulement institutionnelle, au sens de j'ai posé la question aux gens, ils m'ont dit oui, non, mais bien d'implication, d'empowerment, comme disent les anglophones,
Et pour rebondir sur cette question de la méthanisation, par exemple, au-delà de l'acceptabilité sociale qui est un vrai enjeu, il y a aussi cette question de process industriel. On parle souvent à des petits exploitants agricoles qui cherchent à développer leurs revenus en mettant dans la filière méthanisation une partie de leurs déchets agricoles. Ils sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement. C'est des chaînes industrielles, en fait, qui ne sont pas complètement aujourd'hui maîtrisées. Et même quand les méthaniseurs ouvrent, même quand ils ont obtenu la subvention et l'autorisation d'exploiter, parfois, ces exploitants, quand ils sont en tout cas fragiles, ne tiennent pas la distance, parce qu'en fait, ils ont un problème d'approvisionnement du méthaniseur au fil du temps. Et donc, on voit bien que ça crée des chaînes d'acteurs nouvelles qu'il faut arriver à structurer, à accompagner, sans être forcément... elle-même des chaînes d'acteurs publics. Voilà. C'est un rôle aussi nouveau de la puissance publique par rapport à ça. Pour donner quelques exemples plus concrets en ville moyenne sur l'économie circulaire, la ville un peu phare, on peut dire, sur ce sujet depuis presque une dizaine d'années maintenant, c'est Roubaix. Roubaix qui a beaucoup travaillé sur le zéro déchet avec un dispositif justement très concerté, entreprises, citoyens, acteurs publics au sens d'équipement, autour du réemploi et du zéro déchet. Tout le milieu commercial a été mobilisé. Il y a eu une campagne, évidemment, de communication très importante. Ça crée de l'emploi, ce qui est important pour un territoire aussi post-industriel. On crée avec ces éco-industries de l'emploi peu qualifié, ce qui est important pour arriver à tenir aussi le lien social dans un territoire qui a vécu la désindustrialisation. Mais on crée aussi, et c'est assez intéressant dans le cadre Roubaix, une animation de start-up, de nouvelles industries, de transformation. Et je voudrais insister là-dessus, dans ces territoires qui se sont vraiment projetés dans ce monde de l'économie circulaire fortement, et c'est vraiment le cas de la ville de Roubaix, on voit bien que l'enjeu principal, c'est la transformation de la ressource locale, c'est-à-dire d'arriver à comprendre et à mesurer quelles sont les ressources d'un territoire. C'est ce qu'on appelle le métabolisme territorial, mais parfois c'est fait de manière un peu trop théorique. Dans le cas de Roubaix, elle est faite de manière très pratico-pratique, hein, au jour le jour et avec les acteurs du territoire, et de développer les outils et les industries et donc les emplois de la transformation de cette ressource locale. Après, pour rebondir sur ce que disait Pierre Vels, on voit bien que l'enjeu il est plutôt là, c'est-à-dire de recréer aussi, de relocaliser cette industrie de la transformation de la ressource. Il ne doit pas être évidemment l'autarcie ou l'autonomie complète. Il doit être plutôt la mesure de son impact économique, environnemental de l'activité économique. Et si on prend notre collectivité avec laquelle j'ai travaillé, qui est le Grand Cognac, par exemple, qui donc produit le cognac, on peut imaginer que c'est vrai pour tous les territoires viticoles, ou pour l'Auvergne qui fabrique du Cantal ou du Saint-Nectaire, leur objectif n'est pas évidemment que seuls les Auvergnats ou les Aquitains mangent, boivent du cognac et mangent du Cantal. Donc, on a quand même aussi un peu d'hypocrisie dans cette idée d'autonomie territoriale. C'est important que la ressource locale soit mieux mobilisée et mieux transformée et ça crée de l'activité sur le territoire. C'est pas pour ça que on n'en a pas le souhait aujourd'hui, en tout cas ce sont les acteurs économiques qui le disent, d'exporter 90% de la production de cognac, ou 98% même je crois, notamment vers les États-Unis, et une grande partie de la production des produits du terroir spécifiques à la France, qui sont quand même une activité importante, alors plutôt agronomique qu'industrielle, mais j'imagine qu'on pourrait dire la même chose des matériaux industriels. Un dernier exemple, sans vouloir être trop longue, de l'importance aussi de ce rapport territorial à la ressource dans la relation métropole-territoire, en fait. Et donc, dans ce cas-là, les villes moyennes, ou en tout cas les territoires moins denses, sont accrochés à des dynamiques métropolitaines, et ça existe de plus en plus en France. Ça rentre dans la stratégie, par exemple, de la métropole de Lille, avec justement son projet de métabolisme territorial, notamment autour de l'alimentation, mais pas seulement. C'est un enjeu fort de la stratégie de la métropole de Strasbourg. Alors, je parle plutôt d'avant les élections municipales, mais néanmoins, ça a été mis en place sous forme de contrat de réciprocité autour de la construction bois. La métropole de Strasbourg, dans sa stratégie de transition, a beaucoup mis en avant la construction en structure bois. C'est une filière localement très dynamique, avec des entreprises de notoriété nationale, voire internationale. Ils ont mis en place un contrat de réciprocité avec la filière vosgienne de production de bois de construction. Et donc, on voit bien que ce rôle de donneur d'ordre économique des grands territoires urbains est aussi un vecteur de développement d'économie circulaire pour d'autres territoires.
j'allais dire sous influence, il n'y a pas de... Voilà, plutôt sous interdépendance. Clairement, Strasbourg ne saurait pas faire dans les Vosges son projet de territoire de transition. Et à l'inverse, la filière vosgienne de production de scierie, de production de ressources en bois, évidemment, profite de ce client privilégié. On trouve cette notion de réciprocité et d'interdépendance, on la retrouve beaucoup dans les projets alimentaires territoriaux qui se développent, y compris dans des petites villes. On observe par exemple ce sujet sur une petite ville qui s'appelle Tournus en Bourgogne, qui est réputée pour sa gastronomie et qui a développé avec le milieu associatif local un plan alimentaire territorial de petites moyennes villes, on va dire, à l'échelle du territoire. Donc ça revient à ce que je disais sur la participation. On ne fait fonctionner ces filières qu'avec une vraie coopération en fait entre acteurs. Qui doit se structurer suffisamment pour que cette notion d'approvisionnement se pérennise, c'est-à-dire qu'on n'ait pas trop d'accro, puisque c'est quand même des process qui demandent un approvisionnement relativement continu, et c'est cette demande de chaîne d'approvisionnement continu qui a développé la mondialisation d'une certaine manière. Il faut arriver à la reconstituer dans la mesure du possible sur ces échelles territoriales. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Pierre Vels. Donc, effectivement, on vient d'entendre que la coopération, la pédagogie sont très importantes pour parvenir à réconcilier différents types d'enjeux. Est-ce que vous adhérez aussi au rôle extrêmement important de la coopération, des partenariats pour parvenir à réconcilier les enjeux économiques, sociaux et écologiques? Oui, moi, j'adhère à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, cette dimension coopérative est absolument, absolument cruciale. J'aimerais peut-être revenir un peu sur le premier point que j'avais évoqué, et je serais intéressé de connaître l'avis des autres participants là du panel sur ce sujet. Est-ce que vous ne croyez pas que les entreprises qui sont chacune un peu face à aux défis que représentent pour elles les transitions écologiques, pas seulement énergétiques, je pense qu'il faut insister là-dessus, il y aurait peut-être là un point un peu aveugle des politiques, dans la mesure où je pense qu'elles sont un peu chacune seule face à ce sujet-là. Alors, si je fais la comparaison par exemple avec la transition numérique, on parle beaucoup aujourd'hui la fabrique de l'industrie au cœur de ça, de l'industrie 4.0. Certains maintenant, j'ai vu dans le Grand Est, ils parlent carrément de 5.0. Enfin, je ne sais pas où on va aller, mais et on voit bien qu'il y a un gros enjeu qui est que les PME et même parfois les entreprises plus importantes, les sites, ne savent pas quand même vraiment comment prendre ce problème. D'avoir des approches mimétiques pour faire de la robotisation partout, ça ne sert à rien. Mais il y a, je pense, des supports. Il y a des clubs, il y a des instances de dialogue, il y a des organisations qui les aident, qui mettent en commun les expériences et qui aident à réfléchir. Je n'ai pas l'impression que ça existe vraiment dans le domaine des transitions écologiques. Et je pose la question notamment à Hélène. Là, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait quelque chose à faire là sur ce sujet-là, partager un peu plus les expériences, parce qu'après tout, dans un territoire donné, les entreprises qui utilisent les ressources, alors je pense, évidemment, il y a la construction, mais aussi les entreprises manufacturières, il y a les services, enfin, tout ça, c'est quand même... il n'y a pas que les ménages, quoi, les gens qui utilisent des ressources. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de développer des approches un peu plus collaboratives pour partager les expériences définir des lignes. On a évoqué à l'occasion de, enfin, par exemple, les filières bois, donc la commande publique, évidemment, peut être un moteur très important, mais enfin, la commande publique, elle ne porte pas sur une bonne partie des activités productives dans les villes. C'est des segments un peu particuliers. Hélène Peskin? Oui, bah, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Là où on constate qu'il y a une mobilisation des acteurs économiques, c'est dans des collectivités, je pense à la feuille de route transition énergétique écologique de Nantes, par exemple, Nantes Métropole, ou dans les accords de Rouen, qui sont
un dispositif de COP21 local, en gros, avec dialogue acteurs-chercheurs, dans le cadre de collectivités qui se sont engagées fortement, pour des raisons politiques, en tout cas de stratégie politique, dans cette direction, il y a eu des dispositifs d'accompagnement des entreprises. Je pense que là où Pierre a raison, c'est qu'on n'a peut-être pas regardé assez largement la question de l'industrie. On travaille souvent sur ces sujets de circuit court, sur des filières qui sont relativement, entre guillemets, faciles à mobiliser parce que c'est des sujets de, encore une, comme le disait Pierre et comme je disais tout à l'heure, de commande publique, donc approvisionnement des cantines, alimentation, maraîchage local, donc ça commence à prendre de l'ampleur dans un certain nombre de territoires, sous réserve d'arriver à gérer la question de la logistique, hein, parce qu'il y a encore toute cette notion d'approvisionnement, elle nécessite aussi des déplacements des productions d'un lieu à un autre, et ce n'est pas forcément le rôle de l'agriculteur de faire la logistique vers les clients nouveaux qui peuvent avoir trouvé. Mais bon, ce sont un peu des sous-questions sur lesquelles il peut y avoir des soutiens. Donc, alimentation, matériaux de construction, biomatériaux, qui sont des commandes fortes aujourd'hui des puissances publiques. Effectivement, tout ce qui est process industriel, c'est plus compliqué. On a un certain nombre de travaux autour de la RSE qui essaye de prendre en compte ces questionnements, mais il y a peu d'outils financiers, il y a peu d'outils d'incitation, il y a peu de fiscalité, mais incitative pour aller vers ces économies de ressources. Et donc, je pense qu'il y a sans doute un certain nombre d'entrepreneurs qui sont un peu dépourvus par rapport à ça, même motivés pour essayer de mettre en place une stratégie qui serait un peu le plan climat R énergie, si on peut dire, de l'entreprise, voilà, à l'échelle notamment des PME, TPE du territoire. Ça existe par filière, hein, encore une fois, dans les filières de la construction, il peut y avoir une vraie dynamique dans les filières agricoles ou alimentaires, selon les territoires aussi. Au-delà, sauf cas un peu exceptionnels du type roman sur Isère, où finalement c'est le déclin industriel des grands groupes qui fait que les ressources, à la fois en savoir-faire et les ressources humaines, se redéveloppent sous forme de système coopératif. Et là, en général, il y a une vraie impulsion de transition. On a assez peu d'outils. En fait, un des outils qui est très utilisé dans l'énergie, dans la transition énergétique, c'est le certificat d'économie d'énergie, qui est utilisé, y compris par les entreprises, pour faire des travaux et financer leurs travaux d'efficacité énergétique. On sent bien que cette idée qui est dans le certificat d'économie d'énergie, de valoriser la décroissance, en fait, de valoriser l'économie, on devrait déployer des outils de ce type pour valoriser l'économie de ressources, d'une certaine manière, ou l'économie de kilomètres. Comment, sans aller peut-être vers la moindre croissance, qui est un sujet compliqué, je pense, pour une entreprise à vocation commerciale, comment est-ce qu'on donne une valeur au fait de baisser son empreinte environnementale, au fait de baisser son besoin en ressources, de limiter ses déchets, etc. Ça, c'est des outils très opérationnels, je pense, qu'il manque encore aujourd'hui pour arriver à inciter les acteurs économiques dans leur modèle d'affaires à développer ces modèles de transition. La responsabilité sociale et environnementale qui est quand même, s'est beaucoup développée depuis 15 ans avec des outils, y compris pédagogiques, hein, joue un peu ce rôle, mais sans doute pas encore au niveau des enjeux, c'est-à-dire vraiment de la maîtrise des ressources nécessaires au fonctionnement de l'économie. Non, mais juste en amont, je pense qu'il y a aujourd'hui un peu une nouvelle génération qui arrive aux commandes des entreprises, y compris industrielles, et qui a un rapport vraiment différent. Alors, peut-être que je rêve un peu, mais un rapport vraiment différent à la question écologique, c'est-à-dire que c'est plus seulement une question qui est en train de passer de la case RSE à la case stratégie centrale de l'entreprise. Aujourd'hui, elle est surtout... Les entreprises sont surtout face à des réglementations avec lesquelles ils essaient de se débrouiller, mais je pense qu'on n'utilise pas suffisamment l'énergie positive que beaucoup de dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont prêts à mettre dans les questions de transition, parce qu'ils ont compris que ce n'était pas seulement une contrainte que le monde extérieur leur imposait, mais que c'était aussi l'avenir de leur business qui était en jeu, sans parler aussi des convictions éthiques qui sont souvent réelles dans ce monde-là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment, enfin, quand je vois tout ce qui se raconte, enfin, les sujets qu'Hélène a évoqués, et aussi Sébastien, on reste quand même en général à la périphérie du monde public et des activités qui ont directement à faire avec le monde public. Donc, c'est peut-être aussi une suggestion pour la fabrique
de la fabrique de l'industrie. Est-ce que ce ne serait pas le moment de réfléchir peut-être à inciter ou à soutenir des réflexions collaboratives dans lesquelles le milieu entrepreneurial local et en particulier manufacturier soit plus directement impliqué? Oui, allez-y, Isabelle Lodier. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Non, c'était juste pour donner donner pour information aux participants des travaux qui regardent certains des points qui ont été évoqués dans les interventions de Pierre et d'Hélène. Je pensais d'abord à la thèse de Laetitia, mais Diane, qui nous écoute, pourra peut-être en dire deux mots de manière plus précise. Mais on regarde des démarches de réciprocité entre la ville et le territoire environnant. Alors, c'est vrai qu'on reste, comme disait Hélène, sur des choses qui sont plutôt gestion de déchets, énergie verte, alimentation. Enfin, c'est pas purement industriel. Mais Laetitia Vérague a fait un travail assez complet d'analyse de tous les projets de réciprocité collectivité et territoire environnant. Donc, on va faire une présentation prochainement, donc on vous donnera les informations, mais elle regarde notamment la gouvernance de ces projets, de voir que pour l'instant, une gouvernance vraiment coopérative, c'est-à-dire avec une co-construction à parts égales ou à statut égal entre la collectivité et les villages autour. Ça reste un modèle minoritaire, mais bon, qui mérite d'être développé. Donc ça, c'était un premier exemple. Sur la question de la coopération, on a pas mal de projets qui abordent cette question. Je pense évidemment au territoire pionnier, enfin le projet du Labo SS. Il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont mis en ligne sur le site du Labo SS. On va faire une restitution le 12 janvier. Donc là aussi, qui pose des questions de gouvernance de projet, comment le porteur de projet par une gouvernance coopérative arrive à emmener les acteurs du territoire, et ce porteur de projet n'est pas forcément la collectivité. Comment il arrive à emmener les acteurs du territoire de manière coopérative dans une stratégie de développement. Je pense aussi aux travaux du Club Économie de la Fonctionnalité, Christian Duterte, où ils font travailler un certain nombre de collectivités entre elles, justement sur des approches plus coopératives. Ils organisent des ateliers. Alors, je n'ai pas la liste en tête des collectivités qui coopèrent en ce moment, mais bon, ils sont partis au départ de Los Angeles, bon, ce qui est très connu, mais enfin, ils ont fait tout un travail à partir de Los Angeles, puis petit à petit, ils ont agrégé d'autres collectivités sur leurs réflexions. Et encore sur la coopération, je pense aux travaux des Beauvillard, hein, Patrick et Anne Beauvillard, qui ont monté l'Institut des territoires coopératifs. Et donc, là aussi, en partant d'observations, alors un peu originales, à partir d'itinérance, hein, ils vont dans un territoire et ils vont à la rencontre des gens un peu en fonction des personnes qu'ils rencontrent. Hein, ils ont une espèce de démarche très ouverte qui consiste à aller voir les gens que leurs interlocuteurs leur conseillent d'aller voir, etc. Et de fil en aiguille, ils font une itinérance. Et voilà, donc ils mettent en place... ils ont mis en évidence le concept de maturité coopérative et voilà, donc on est sur des sujets vraiment, enfin sur cette question de la coopération entre les acteurs, ça ressort vraiment beaucoup. Et puis le dernier point sur l'industrie, alors peut-être que je dis une bêtise, je ne sais pas, parce que j'ai plus en tête complètement la série des territoires qu'on a regardé, mais est-ce qu'il y a des choses sur l'écologie industrielle dans les territoires d'industrie, soit qu'on a déjà présenté, soit qu'il y a des choses en cours. Enfin, peut-être qu'il faudrait, dans un premier temps, sur la question de l'industrie, déjà regarder les projets d'écologie industrielle. Oui, si je peux me permettre, on s'est déplacé, on a fait un séminaire en novembre 2019 à Marseille-Fos, qui a centré justement la grande partie de ses fiches actions sur un projet d'écologie industrielle. Je sais également que la DCF et Lucas Chevrier ont fait un gros travail de lecture des fiches actions et ont fait un résumé, c'est plus un document de travail qui récapitule l'ensemble des initiatives qui sont prises par les territoires d'industrie. C'est disponible en ligne sur le site, site de la DCF. Ok. Alors, on avait fait un travail, mais là, c'est plus de la recension. C'était... j'oublie son nom.
Ça m'en reviendra. On avait fait, on peut vous l'envoyer, on avait fait un travail, on avait regardé un certain nombre de sites d'écologie industrielle. Je me souviens notamment un site dans les Vosges autour d'une usine de papier qui avait poussé assez loin les échanges avec les entreprises autour. Ça m'en reviendra, je vous l'enverrai. Oui, on mettra à disposition sur la page de l'Observatoire des territoires d'industrie les ressources que vous pouvez tous consulter en ligne. À présent, j'ai une question d'un intervenant qui nous demande, enfin, qui vous demande quels sont les outils méthodologiques qui sont disponibles justement pour voir les sites qui mettent en place l'écologie industrielle. On vient de parler effectivement du rôle de l'industrie dans la transition écologique et Hélène Peskin a aussi abordé la question de la mesure des impacts environnementaux sur les territoires. Donc, on va à présent aborder cette question de comment on mesure les impacts, quels impacts des activités productives sur les territoires, quel impact de la crise actuelle aussi sur l'activité des entreprises et des territoires. Et je vais maintenant me tourner vers Caroline Mouni, qui a fait une étude donc, sur l'impact de la taxe carbone sur la compétitivité des industries. Caroline, quel impact du prix du carbone sur le fonctionnement des entreprises industrielles? Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous. Oui, ça me permet de faire le lien avec une question des participants qui était comment faire que les ressources proches soient plus rentables que les ressources éloignées, et le prix du carbone est en fait une partie de la réponse. Puisqu'une ressource éloignée qui va être transportée jusqu'à son point de vente, le transport va émettre des émissions de CO2. Et donc, si on attribue un prix à ces émissions, il va y avoir un coût supplémentaire. Donc, on va avoir tendance plutôt à vouloir consommer des produits peu carbonés et du coup moins chers que des produits très fortement carbonés qui seront plus chers parce qu'on aura appliqué un prix à la tonne de carbone qui est émise pour produire et transporter ce produit. Donc, tout d'abord, je vais refaire un retour donc, sur le prix du carbone et comment fonctionne, quel est l'impact du prix du carbone sur l'entreprise, hein, comment ça fonctionne, comment elle s'est pris en compte, quels sont les mécanismes principaux de tarification du carbone qui sont notamment auxquels les entreprises françaises sont soumises, et enfin, donc, quel est l'impact du prix du carbone sur le fonctionnement d'entreprise. Donc, d'abord, le prix du carbone permet en fait d'internaliser le contenu en carbone d'un produit dans son prix. Donc, ça doit permettre de modifier le comportement des acteurs. Donc, comme je disais, donc, par exemple, si on prend un t-shirt qui est produit en Asie, qui est ensuite acheminé vers la France et pour être vendu en France, le transport de l'Asie vers la France va émettre des émissions de CO2. Ces émissions sont converties en un prix et du coup, ce prix peut être en partie répercuté dans le prix de vente, et donc un t-shirt fabriqué localement va être moins cher qu'un t-shirt fabriqué plus loin. Donc le but du prix du carbone, c'est de pouvoir internaliser ce contenu en carbone et donc de rééquilibrer ces produits. Et donc au niveau des entreprises, le prix du carbone va les inciter à investir dans des technologies qui vont leur permettre de réduire leurs émissions, puisqu'elles vont chercher à réduire leurs coûts. Et donc, ces technologies sobres en carbone, quand elles vont faire évoluer leur process de production pour pouvoir réduire leurs émissions. Donc, en France, il y a deux systèmes de tarification du carbone auxquels sont soumises les entreprises industrielles. Donc, il y a premièrement le marché européen du carbone auxquels sont soumises les entreprises industrielles qui sont fortement émettrices de CO2, et aussi la taxe carbone nationale qui, elle, est inclue dans le prix du carburant. Et donc là, où les ménages et les entreprises payent. Sur le marché européen du carbone, donc pour revenir un tout petit peu sur son fonctionnement, donc en fait, c'est le premier marché qui a été créé en 2005, donc au niveau de l'Europe. Et donc, ce marché, il y a comment il fonctionne? Donc, il y a un plafond d'émissions, c'est un nombre total d'émissions qui est défini sur une certaine période. Et ces émissions sont ensuite traduites en quota carbone. Donc, un quota, en fait, c'est le droit d'émettre une tonne de CO2. Ce marché couvre 16 000 installations en Europe, 45% des émissions de gaz à effet de serre, dans les secteurs notamment de l'acier, du ciment, de la chaux, des métaux, du verre, etc. Donc, il y en a plusieurs, tous ceux qui sont en fait fortement émetteurs et fortement consommateurs d'énergie.
Donc, ces quotas, ensuite, sont distribués aux entreprises. Et donc, là, les entreprises, à tout moment, doivent justifier un équilibre entre leurs émissions et leurs quotas. Donc, par exemple, si une entreprise émet 120 tonnes de CO2 et qu'elle a reçu 100 tonnes de CO2 sous forme de quotas, elle va devoir acheter sur le marché 20 tonnes de CO2. Alors qu'à l'inverse, une entreprise qui, elle, émet 80 tonnes de CO2 et qui aurait reçu 100 tonnes de CO2 sous forme de quotas, va en fait vendre cette différence sur le marché. Donc là, ça permet en fait de réduire les émissions entre les là où les coûts sont moindres et tout en gardant ce plafond d'émissions. Donc effectivement, on a publié une note qui regarde l'impact du prix du carbone sur la compétitivité des entreprises. Et donc pour faire ça, on est parti du marché européen du carbone, puisqu'il y a beaucoup d'études empiriques qui sont faites sur le fonctionnement de ce marché, parce que depuis 2005, on a du recul, qui permet de voir comment ce prix a impacté la compétitivité des entreprises. Donc, sur le marché européen du carbone, le prix a fluctué jusqu'à 25 euros la tonne de CO2 aujourd'hui. Et on a vu que ce mécanisme a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10%, donc 10% de réduction due seulement au marché, donc sur les entreprises, toutes les entreprises concernées, qu'il a aussi permis aux entreprises d'innover. Et donc, le nombre de dépôts de brevets dans les innovations bas carbone a augmenté grâce à ce mécanisme, avec, donc, comme je disais, un prix du carbone qui est resté globalement, donc il a été longtemps en dessous des 10 euros, après il a passé la barre à 10 euros et ces dernières années, il est plutôt autour de 25 euros. Donc un prix qui est quand même assez faible, puisque dans l'objectif de neutralité carbone, donc au niveau européen mais aussi au niveau français, donc qui doit être atteint d'ici 2050, le prix du carbone va augmenter. Donc la Commission, pour atteindre cet objectif de neutralité carbone 2050, mais aussi pour répondre à l'objectif de réduction des émissions de 55%, donc c'est le nouvel objectif qui a été annoncé par la Commission, qui doit encore être validé donc en septembre, pour atteindre ces différents objectifs très ambitieux, le prix du quota sur le marché européen devrait être autour de 76 euros. Donc on voit que c'est déjà beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et autre point, il y a eu une commission Kiné 2 en France qui a évalué la valeur de l'action pour climat, c'est-à-dire combien devrait être la tonne de CO2 pour atteindre la neutralité carbone en 2050 en France. Et cette tonne devrait être à 250 euros la tonne de CO2 en 2030. Donc, le prix du carbone va augmenter et là, on peut se demander quel va être l'impact sur les entreprises. Donc, là aussi, on a regardé les études économiques qui modélisent une augmentation du prix du carbone via une augmentation du prix de l'énergie, puisque si le prix du carbone augmente, on voit que les énergies, gaz, pétrole vont augmenter. Donc, on a regardé toutes ces études qui analysent l'impact sur les entreprises. Et on a vu que jusqu'à 100 euros la tonne de CO2, l'impact sur l'emploi, donc dans le secteur manufacturier, globalement est limité. C'est-à-dire que sur l'ensemble du secteur manufacturier, on n'a pas un impact qui reste très limité sur l'emploi. Mais il y a des impacts très différents sur les secteurs. Donc, c'est-à-dire que les secteurs vont être touchés de façon très différente. Et on a vu que certains secteurs, notamment très fortement consommateurs d'énergie, sont eux plus touchés et qu'il y aurait une réallocation des emplois des secteurs fortement émetteurs vers ceux plus économes en énergie. Et donc, on peut imaginer effectivement que des emplois dans des industries très polluantes puissent être ensuite réalloués dans des industries vertes et que de nouvelles filières seront créées. Et donc là, on voit que pour permettre cette réallocation, il va y avoir un besoin de formation très important qui va permettre donc, aux travailleurs donc, de pouvoir passer d'un métier ou de compétences donc à un autre. Et ça, c'est des questions qui sont évoquées au niveau territorial, puisque c'est là où la formation professionnelle avec un travail entre les entreprises et collectivités se fait. Merci beaucoup, Caroline. Je me tourne à présent vers M. Bourdin, toujours pour parler de cette question de quels impacts, qu'est-ce que vous avez pu observer et quelles mesures des impacts environnementaux des activités productives sur les territoires. Alors, bah, une mesure qui est très courante sur l'évaluation des impacts environnementaux, c'est l'ACV, la fameuse analyse du cycle de vie,
qui permet en gros de quantifier les impacts d'un produit, donc que ce soit un bien, un service ou un procédé. Depuis l'extraction de matière première jusqu'à son élimination en fin de vie. Donc ça, c'est typiquement les analyses de cycle de vie. Alors, les territoires aujourd'hui visent, certains nombre d'entre eux visent la neutralité carbone. Et donc, bah, justement, l'idée, c'est d'avoir cet état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre émises à l'échelle d'un territoire et leur retrait de l'atmosphère par l'homme pour produire les biens qui sont produits sur ce territoire. Alors, pour un territoire, pour une collectivité, viser la neutralité carbone, c'est un processus de transition. Là, encore une fois, je rejoins Pierre Velle sur l'idée qu'il faut parler de transition au pluriel et que ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on va aller vers cette neutralité carbone des collectivités territoriales et des entreprises sur les territoires. Et donc, notamment pour les collectivités, ça implique des atténuations des changements climatiques à travers deux types d'actions qu'on retrouve très souvent mises en place par les collectivités. Diminuer les émissions de CO2 à la source, et ça peut passer notamment par l'économie circulaire, mais pas que. Et puis, protéger et développer des puits de carbone, tout simplement, donc capables de stocker le CO2, donc typiquement en plantant des arbres qui absorbent le CO2 via la photosynthèse. Et donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les métropoles aujourd'hui des tentatives de reverdissement, de reboisement de la ville, parce que derrière, il y a des enjeux en termes de neutralité carbone. Et en fait, ces stratégies de mesure des impacts environnementaux, elles sont loin d'être évidentes. Faire l'ACV d'un bien, d'un service ou d'un procédé, ce n'est pas compliqué. Il y a des méthodes qui sont maintenant robustes. Et qui ont été techniquement développés. Maintenant, mesurer l'impact environnemental des activités productives sur un territoire, là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Ça appelle à dessiner des nouvelles stratégies de transformation, d'adaptation, d'aménagement, de consommation des acteurs, etc. Et donc ça, forcément, c'est loin d'être évident. Si je reviens à cette question de l'économie circulaire, quand on regarde la définition de l'économie circulaire, que ce soit celle de l'ADEME ou de la Fondation Ellen MacArthur ou autre, on retrouve évidemment l'idée d'écologisation des pratiques. Donc, on retrouve évidemment cette idée de réduire l'impact environnemental. Cependant, on ne retrouve jamais dans la définition, que ce soit celle de l'ADEME ou d'Hélène MacArthur notamment, la question de la territorialisation des activités. Or, il me semble que lorsque l'on parle d'économie circulaire, il faut à la fois que ce soit de l'écologisation de la pratique, mais aussi de la territorialisation des activités. Je vais prendre un exemple concret. Si mes déchets, je les envoie à l'autre bout de la planète pour les faire recycler en autre chose et qu'ensuite ça revient dans mon territoire, on va dire que c'est l'économie circulaire. Pour autant, je ne suis pas sûr que d'un point de vue environnemental, ça soit très vertueux. Donc la question de la dimension locale et territoriale, de la territorialisation des activités, pour moi, elle est fondamentale. Et donc, à mon avis, à mon sens, je ne suis pas le seul à le dire, dans la définition de l'économie circulaire, on oublie souvent la dimension locale qui, à mon avis, paraît déterminante pour limiter justement cet impact environnemental. Donc voilà, en gros, les mesures objectives et celle qui est la plus développée aujourd'hui, c'est l'analyse du cycle de vie. Maintenant, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'à côté de ces mesures objectives, on oublie souvent, encore une fois, le citoyen, les acteurs du territoire, mais le citoyen en général. Et il me semble aujourd'hui qu'il faille aller vers des mesures subjectives de cet impact environnemental. Associer encore une fois les riverains et plus généralement les citoyens à ces démarches d'évaluation, leur demande de leur propre point de vue, comment elles perçoivent les externalités. Ça me paraît aussi important. Parce que les chiffres peuvent dire que telle entreprise, telle organisation a réduit ses impacts environnementaux ou n'impacte pas fondamentalement l'environnement, mais ça peut être perçu différemment par les riverains, par les citoyens.
Donc, la question de la perception, à mon avis, elle est aussi fondamentale, car elle fait référence aussi au bien-être des habitants. Or, aujourd'hui, on voit les classements qui sont prolifiques en ce moment sur la qualité de vie dans les villes, les territoires où il fait bon vivre, le bien-être des habitants, etc. Une des questions fondamentales, c'est celle de, encore une fois, la perception de la qualité de vie. Et dans la qualité de vie des habitants, il y a la question de la dimension environnementale. Et à mon sens, on ne peut pas mesurer les impacts environnementaux uniquement par des analyses de cycle de vie, mais il faut aussi travailler sur la perception qu'ont les habitants de ces impacts environnementaux. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la question de la dimension locale et de l'impact au niveau local est très importante, et je me tourne à présent vers M. Portier, donc, qui a lancé en juillet dernier l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise. Donc, on s'éloigne un tout petit peu de la question de la transition écologique pour aller plutôt vers celle de la résilience des territoires. Et je vais lui demander de nous expliquer tout d'abord quels sont les enjeux et les objectifs de l'Observatoire, et de permettre aussi aux participants de voir qu'il y a des outils qui sont mis en ligne, encore une fois, pour avoir conscience des effets de la crise et d'autres phénomènes qui sont disponibles à tous. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, en fait, en juillet dernier, avec notamment Vincent Passini, qui est professeur associé au CNAM, nous avons eu l'idée de lancer cet observatoire des impacts territoriaux de la crise. Cette idée, en fait, nous est venue d'un premier travail que nous avions réalisé au tout début du premier confinement, où nous avions cherché à essayer de déterminer quel pourrait être le degré d'exposition économique des territoires à ce premier confinement. Et donc, nous avions travaillé notamment avec la DCF à définir une typologie des secteurs d'activité suivant leur degré potentiel d'exposition. Et j'ai réalisé une carte à l'échelle des intercommunalités françaises qui permettait d'observer quelle était la part des emplois salariés privés concentrés dans les secteurs a priori fortement exposés, modérément ou faiblement. Et puis, je me suis dit qu'il pourrait être utile de partager cette carte, qu'il était sans doute idiot de la conserver uniquement pour nous, et je l'ai tout simplement diffusée sur mon profil LinkedIn. Et là, cette carte a eu un succès tout à fait inattendu, surtout à mon échelle. On avait eu plus de 12 000 vues, et puis on en a produit d'autres sur les impacts de la crise en termes de chômage à l'échelle des zones d'emploi et ainsi de suite, qui ont eu tout autant de succès. Et donc là, clairement, on s'est dit, bon, il y a un réel besoin d'information sur les impacts territoriaux de la crise. Donc, du coup, on a eu cette idée d'essayer de structurer, d'organiser quelque chose donc, que nous avons appelé l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise. Nous avons réuni un certain nombre de contributeurs privés, mais qui contribuent pro bono, qui mettent à disposition notamment leur savoir-faire et ou un certain nombre de données qui nous permettent d'avancer, de produire de la connaissance sur ces impacts territoriaux. Et puis surtout, nous nous sommes adossés, et merci à eux, un certain nombre de partenaires institutionnels qui notamment financent pour partie un certain nombre de ces travaux, notamment l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, l'Assemblée des communautés de France, l'Association des directeurs généraux de communautés, et aussi, comme il y a une dimension recherche dans ce projet, nous nous sommes adossés au CNAM pour porter quelques éléments de recherche. Alors, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous guide là-dedans? En réalité, c'est plus que la simple création d'une plateforme qui communique et diffuse des cartes sur les différents types d'impacts qu'on est en mesure d'évaluer aujourd'hui. Notre idée sous-jacente, c'est surtout de chercher à créer une sorte de communauté qui travaille à une analyse mutualisée des impacts territoriaux de la crise dans les territoires, qui sont éminemment divers, hein, et bien que très intenses à peu près partout, le niveau d'intensité peut être extrêmement variable, et puis surtout échanger, à la fois proposer sous la forme de webinars ou de colloques, alors les colloques c'est un peu compliqué par les temps qui courent, mais en tout cas des webinars sous la forme de formation pour mieux comprendre comment apprécier ces impacts, mais travailler aussi et surtout à la remontée d'informations des territoires, car nous avons bien conscience du fait que proposer une information descendante, très verticale et purement quantitative, c'est intéressant, mais c'est insuffisant, et nous devons adjoindre à tout cela un matériau beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus incarné, qui nous permettra d'une part de mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi d'identifier
ce qui se met en branle dans les territoires, dans une logique de parangonnage, pour essayer de partager des éléments de réponse qui peuvent être déployés. Alors, en introduction, vous avez dit qu'effectivement, on s'éloignait avec cet observatoire un peu de la problématique des transitions. En même temps, la philosophie dans laquelle on cherche à s'inscrire renvoie à des enjeux qui sont évidemment de court terme, mais aussi de beaucoup plus long terme. Et ce que l'on perçoit dans le cadre de nos premiers travaux, c'est que justement, principalement, les collectivités locales ont un mal fou aujourd'hui à articuler ces deux temporalités. Elles sont confrontées à une certaine forme d'urgence impérative, et notamment c'est aider les entreprises et maintenir à flot les activités qui sont en grande souffrance. Et du coup, dans le même temps, elles ont beaucoup de mal à réfléchir à des stratégies à plus ou moins long terme. Et c'est là où nous cherchons, dans le cadre des informations que nous pouvons produire dans le cadre de l'Observatoire, à essayer de produire des choses qui permettent justement de travailler sur ces différentes temporalités et de réfléchir à leur articulation. Et c'est là où, s'il est vrai pour le moment et à ce stade, compte tenu notamment de l'information dont on dispose et qui est disponible, hein, car le système statistique français est très performant, mais il est nécessairement un peu lent, notre focal se limite, si je puis dire, à analyser les impacts économiques et sociaux de la crise. Mais évidemment, ce qui serait tout à fait intéressant, c'est adjoindre à ce type d'approche des éléments à caractère environnemental. Alors, sur ces aspects, et notamment sur les problématiques énergétiques, sur ces aspects aujourd'hui, au niveau territorial, j'ai pu constater, alors même si moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais je m'y intéresse évidemment de plus en plus, parce que ce qui nous anime, c'est de mettre en articulation notamment les problématiques économiques, sociales, avec les questions environnementales et énergétiques. Donc, on s'inscrit dans le cadre d'une réflexion qui se veut transversale. Au-delà de ça, ce que l'on voit dans certaines régions françaises, c'est se mettre en place des observatoires régionaux qui fabriquent des éléments d'information, des données justement sur les sujets environnementaux et énergétiques. C'est pour ça que nous, notamment, voudrions essayer de s'adosser à eux pour travailler à la façon dont nous pourrions combiner des éléments relatifs à la mesure des impacts de la crise avec ces sujets énergétiques et environnementaux. Donc, si vous voulez, nous, la perspective que l'on suit, l'ambition que nous avons, c'est de chercher à mobiliser plusieurs grilles de lecture. Nous ne sommes pas enfermés dans un modèle ou dans un autre, pour travailler d'une part à la diffusion de connaissances, à la remontée d'informations, à l'échange, et puis aussi, et surtout, et ça c'est ce qui nous anime avec Vincent Passini depuis une quinzaine d'années maintenant que nous travaillons au contact des territoires, c'est travailler au changement des représentations. Et ça c'est très important, ça a beaucoup été dit par les intervenants précédents, on voit bien que notamment sur les problématiques, la problématique des transitions, mais pas seulement, même sur les problématiques économiques, sur les problématiques sociales, sur la question plus générale de la mécanique territoriale, on a souvent un problème d'ordre culturel. Des acteurs sont enfermés dans des représentations qu'ils ont intégrées depuis de longues années, et du coup, il faut trouver des moyens, des outils pour faire évoluer ces représentations qui constituent en fait une étape liminaire au passage à l'action sur des nouveaux modes, en mobilisant des nouveaux modes opératoires qui permettront de répondre et de mieux répondre aux enjeux contemporains. Donc voilà comment nous positionnons dans le cadre de l'Observatoire. Concrètement, qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui ? Donc, il y a cette plateforme accessible, il suffit de s'y connecter et vous avez indexé un certain nombre d'éléments cartographiques. Alors, on a lancé ça en juillet, entre guillemets, avec les moyens du bord. Maintenant, ça y est, nous commençons à nous structurer, à nous organiser. Les choses vont s'accélérant, on va multiplier la production de contenu. Les cartes sont accompagnées de petites notes de commentaires très synthétiques, mais on va adjoindre aussi notamment une production mensuelle de notes un peu plus détaillées qui seront co-rédigées notamment avec la DCF pour travailler à une forme de synthèse de la matière que nous aurons produit. Et puis nous organiserons donc au fil de l'eau des temps, des moments avec les acteurs et les personnes intéressées qui voudront participer à des webinaires, des temps de formation, des colloques, etc. Et surtout aussi, et j'en terminerai là, la façon dont nous allons procéder est la suivante, c'est-à-dire que nous avons structuré notre réflexion autour de quatre axes. Un axe qui consiste à essayer d'observer, de manière très synthétique, entre guillemets, d'où partaient les territoires avant la crise. En gros, s'inscrivaient-ils dans une trajectoire de développement plus ou moins favorable. Ensuite, on essaye de produire des éléments d'anticipation. C'est cette idée de les territoires sont-ils a priori plus ou moins exposés à cette crise. Ensuite, un troisième temps, c'est la mesure des premiers impacts. Et ensuite, un quatrième temps, c'est organiser, définir une méthode de suivi dans le temps de ces impacts, et notamment la durée de vie prévue de l'Observatoire des impacts territoriaux est de 2 ans.
Je crains malheureusement qu'il faille la faire perdurer. De toute façon, l'Observatoire des impacts aura vocation à se transformer en Observatoire des dynamiques territoriales. Tout cela ne sera pas perdu. Mais voilà en fait comment nous articulons notre réflexion et surtout ce que nous allons faire, c'est ensuite croiser les éléments que nous aurons produits en termes d'anticipation avec la première mesure des impacts et des suivis, pour justement travailler une identification des territoires qui se seront montrés plus résilients qu'attendus, un terme très, très en vogue et très à la mode, ou les territoires qui l'auraient été moins qu'attendus. Et partant de là, on va identifier un panel limité de territoires pour engager un travail collaboratif avec eux, à la fois de suivi longitudinal de leur contexte local et aussi travailler, je le répète, à la remontée d'infos sur ce qu'ils auront mis en œuvre, mis en pratique pour rentrer dans la compréhension et l'analyse des déterminants de cette sous- ou surcapacité de résilience. Merci beaucoup. On va poursuivre sur cette question entre finalement les transitions, relance, résilience. Hélène Peskine, est-ce que, à votre avis, les métropoles sont-elles mieux armées que les villes de plus petite taille pour amortir la crise et se réinventer? Et quels projets ont été mis en place dans le cadre de la transformation des territoires pour aller plutôt vers des mobilités alternatives? Alors d'abord, en complément de ce qui vient d'être dit, je voudrais préciser que tous les territoires ne sont pas égaux face à ces questions de transition. Autant comme pour les citoyens, hein, comme pour les collectivités, tout le monde est face à ce défi de l'urgence climatique et de l'extinction des espèces, et donc tout le monde est sommé d'agir, mais on a quand même des territoires dont la reconversion, dont la pente est plus raide, voilà. Dont la reconversion pour une société, une économie post-carbone est moins polluante, disons, et plus lourde à gérer, et je pense que c'est important de mettre en avant la nécessité aussi pour les pouvoirs publics, y compris à l'échelle régionale et nationale, de se poser ces questions. Alors, les questions de ce type étaient posées au moment de créer les contrats de transition écologique il y a 3 ans maintenant, notamment autour des territoires qui disposent d'une centrale à charbon qui va fermer, enfin, je l'espère, parce que c'est typiquement un modèle industriel qui n'est pas compatible avec la trajectoire de transition énergétique. On connaît des cas similaires. Donc là, pour les 4 centrales à charbon, on parle du Havre, de Saint-Avold. Imaginez un territoire comme Saint-Avold dans le nord de la France qui déjà est très, très touché par la désindustrialisation. On parle de Marseille-Gardanne, enfin voilà, des espaces qui déjà sont des zones où l'emploi industriel a beaucoup souffert depuis plusieurs années. J'ai d'autres exemples en tête, par exemple la Rodez qui dispose d'une grande usine Bosch qui travaille pour la filière des moteurs diesel. À un moment donné, on pointe du doigt, on stigmatise un peu ces territoires en disant voilà, vous êtes moche, voilà, c'est la France anti-écologique. Je ne suis pas sûre que le territoire de Rodez ait choisi cette filière d'approvisionnement à l'industrie du moteur diesel. Il faut à un moment donné se poser la question de ceux qui ont plus de difficultés à remonter cette pente ou à se reconvertir. Et si on parle des questions post-crise, on voit bien que la crise sanitaire a accéléré un certain nombre de transformations, a posé des questions nouvelles sur l'approvisionnement, pas tant par rapport à leur impact carbone d'ailleurs, mais finalement par rapport à la fermeture des frontières et à la capacité à s'approvisionner en matériaux et en ressources à très longue distance, et pose la question de filières qui pourraient ne pas renaître après la crise. Je pense notamment à l'aéronautique à Toulouse. Quand on dit à l'aéronautique à Toulouse, et c'est là que je réponds à votre question, quand on stoppe brutalement, en tout cas on freine très fortement la filière aéronautique et Airbus, on se rend compte qu'on ne freine pas que l'Interland industriel toulousain, qui en fait est plutôt une activité de pointe avec tous les systèmes embarqués, enfin un écosystème économique industriel qui pourrait et qui d'ailleurs cherche déjà à se reconvertir dans d'autres filières, notamment parce qu'elles sont présentes dans le territoire, hein, les biotechnologies ou les éco-industries ou la mobilité. Et on pense moins, quand on regarde cette question de l'impact sur une filière économique, en tout cas des enjeux de la transition, on pense moins à tout l'interland industriel plus lointain, qui en fait est beaucoup plus difficile à reconvertir. Et si on prend l'exemple de la filière aéronautique Airbus Toulouse. Alors, il y a évidemment
des emplacements industriels autour de Bordeaux et dans toute la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi jusqu'au Berry et largement dans la région d'Issoudun, Bourges, Châteauroux, Romorantin, qui a déjà souffert de la désindustrialisation liée à l'armement. Et donc, on mesure peut-être pas suffisamment aujourd'hui à quel point certains territoires sont plus en difficulté par rapport à cette notion de transition et dans une incompréhension finalement des impacts sociaux que ça peut générer. Et je pense que c'est un point qu'il faut arriver à prendre en considération voilà, pour essayer de trouver des stratégies de reconversion ou de réindustrialisation autour d'autres ressources et d'autres filières. En matière d'outils, pour parler un peu de ce qu'on fait au PUCA, nous, on met en place en fait, des dispositifs de recherche-action qui sont, on pourrait dire, de la recherche embarquée, finalement, donc des sociologues, des urbanistes, des économistes, des géographes qui travaillent pendant une année dans des petites villes ou des moyennes villes sur ce qu'on appelle des études de cas, donc la manière dont ces petites et moyennes villes trouvent des leviers d'action, développent des politiques spécifiques, qui donc ne sont pas celles des métropoles, en l'occurrence, qui leur sont propres, pour répondre à ces questions de transition. En termes d'exemple, donc, ça s'appelle la plateforme PopSup, pour plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Pour donner quelques exemples, on observe sur ce sujet des mobilités que la ville moyenne de Charleville-Mézières, et en particulier une de ses villes périphériques qui s'appelle Villers-Semeuse, ont développé depuis petite dizaine d'années maintenant déployer un dispositif de mobilité alternative, le même qu'on peut trouver dans les villes, les grandes métropoles françaises, autour des mobilités douces, de l'incitation à la marche ou de la transformation vers la mobilité électrique. Ça se développe aussi dans des villes plus petites. Ça fait partie des stratégies de territoire pour rentrer dans cette dynamique de transition. Et ça se fait avec le tissu industriel. Donc, c'est le sujet des mobilités à Charleville-Mézières. On trouve aussi des dynamiques autour du numérique dans des villes très petites, comme à Arvieux, qui finalement fait du numérique. On en a peu parlé, mais le numérique, c'est un soutien aussi à ces capacités de transition parce que ça permet de gérer mieux des approvisionnements et de la logistique, parce que ça permet de mieux connaître son territoire et parce que ça permet de mieux comprendre finalement son empreinte environnementale. Donc on a ce dispositif à Arvieux en sud d'Auvergne. On a un questionnement à Dijon par exemple autour de son projet de Smart City sur la capacité de la Smart City à se mettre au service de la transition écologique, ce n'est pas une évidence a priori, et comment on utilise ces outils de territoire numérique au service de la baisse de l'économie de ressources et de la baisse des émissions plutôt que du développement industriel ou technologique sans fin. Ça, ce sont des questions qui traversent beaucoup les territoires. Et puis, pour revenir sur un sujet qu'on a finalement peu évoqué dans cette notion d'économie circulaire dans les territoires, en fait, il y a un énorme enjeu qui est lié à l'urbanisme. On a parlé des filières, donc de la construction, des déchets, du recyclage, etc. En fait, le recyclage, il est aussi dans la capacité à recycler et à optimiser le bâti, donc en fait à limiter l'étalement urbain en utilisant mieux les ressources construites, le patrimoine pour des fonctions urbaines. Et cette notion d'urbanisme circulaire, elle est en train de se développer. Nous, on l'accompagne notamment dans les villes moyennes du programme Action Cœur de Ville pour arriver à montrer qu'il existe des modèles de croissance au sens développement des fonctions urbaines, hein, construction d'habitat et d'équipement, qui ne sont pas, en tout cas qu'on arrive à les décorréler de l'étalement et donc de la consommation de ressources, notamment foncières. Mais ces questions-là, qui se posent aussi aux gestionnaires immobiliers fonciers que sont les entreprises dans les zones d'activité, par exemple, elles ne sont pas du tout évidentes une fois atterries sur le terrain. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup dans l'injonction sur ces sujets de transition, on est beaucoup dans l'injonction un peu venue d'en haut, on consomme un département par an, on ne peut plus être aussi dépendant des énergies fossiles, et on a toujours du mal, mais ça revient au débat qu'on avait tout à l'heure sur les outils, hein. On a toujours du mal à les voir atterrir sur le terrain, ces questions. Et ça, je pense que c'est un des rôles qu'on essaye de jouer avec la recherche embarquée au PUCA, c'est d'observer finalement quand ça atterrit, comme dit Bruno Latour, où atterrir, quand ça atterrit sur cette zone stratégique du sous-sol et du sursol
urbains, en tout cas sur lesquels il y a des fonctions d'accueil et des fonctions sociales liées à l'urbanisation, des fonctions économiques. Comment est-ce qu'on on maîtrise finalement des modèles économiques qui permettent du recyclage de bâtiments ou d'optimisation d'usage plutôt que de la construction neuve? Comment on regarde le sol comme une ressource? Je parlais des zones d'activité, mais typiquement les gestionnaires et les propriétaires d'espaces d'activité dans les villes moyennes, aujourd'hui, ne se considèrent pas comme des acteurs de la lutte contre l'étalement urbain. Et ben, pourtant, ils le sont. Et dans l'idée de limiter l'artificialisation, il faut aussi que ce rôle-là finalement d'empreinte au sol soit considéré comme un enjeu pour les acteurs économiques eux-mêmes, pour les habitants des lotissements comme pour les collectivités locales. Et donc on relance cette question de la coopération, mais on vient finalement donner un rôle nouveau à un certain nombre d'acteurs dans le territoire pour essayer de répondre à une injonction qu'on pourrait résumer à économiser les ressources, et les ressources, toutes ressources confondues. Voilà. Ou les Merci optimiser, mieux les mobiliser. Voilà. Justement, cette question de ressources, je m'adresse à Olivier Portier. De votre point de vue, comment on peut continuer justement à régénérer les ressources sur les territoires? Et peut-être avant de répondre à cette question qui fait parfaitement le lien avec les propos d'Hélène Peskin, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les premiers résultats que vous avez obtenus avec votre observatoire sur les impacts territoriaux de la crise? Alors, effectivement, on a des premiers résultats qui sont assez factuels et identifiables donc, dans les différentes planches cartographiques que nous avons produites. Il est évidemment impossible aujourd'hui de tirer des enseignements. Il est même très difficile de déjà rentrer dans des éléments presque explicatifs et analytiques. Mais tout au moins, en fait, un premier constat en fait, qu'on a pu poser au regard des dynamiques de perte d'emploi, donc à l'échelle notamment des zones d'emploi, et de l'évolution du chômage au premier, deuxième et troisième trimestre 2020, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait peut-être attendre, ou en tout cas contrairement à ce que je lis beaucoup, c'est que les territoires qui étaient plutôt les plus dynamiques avant la crise sont ceux qui sont les plus exposés et les plus impactés, en moyenne. Alors évidemment, c'est là où on a une difficulté, c'est que si on raisonne en moyenne, on masque une hétérogénéité à l'intérieur de certaines catégories qui est très forte. Donc ce qu'on a tendance à lire en règle générale, c'est par exemple que les métropoles sont beaucoup moins exposées que les territoires ruraux par exemple. Nous, ce que l'on observe, ce n'est pas tellement le cas, c'est que les métropoles, en tout cas les zones d'emploi qui ont une métropole sur leur périmètre, par exemple, ont perdu presque tout autant d'emplois, pas en volume évidemment, mais en pourcentage, en termes d'intensité, que les territoires non métropolitains. Et à l'intérieur de cette catégorie de zones d'emploi métropolitaines, on retrouve certaines zones d'emploi qui ont, on va dire, modérément souffert et d'autres qui ont été éminemment exposées. Mais globalement, quand même, l'hypothèse que nous on formule, c'est que ce premier choc et que le niveau d'exposition apparaît globalement plus important pour ce qu'on a trivialement appelé les locomotives et un peu moins pour les wagons. Pourquoi on a formulé cette hypothèse? Ça renvoie notamment à ce qu'évoquait Pierre Vels tout à l'heure, c'est que nos fameux wagons, par exemple, qu'on peut identifier le long de la diagonale du vide, qui s'étend du grand quart nord-est au grand quart sud-ouest, sont des territoires qui vivent très très massivement des mécanismes de socialisation, comme notamment la présence de fonctions administratives qui alimentent des actifs qui sont des fonctionnaires. C'est des individus qui vont bénéficier entre guillemets d'un certain nombre d'allocations qui sont liées à la mécanique de l'État-providence. Donc ça va être des retraités ou potentiellement des allocataires d'allocations diverses qui vont d'allocations de chômage à des allocations d'aide au logement, etc. Et donc du coup, d'un point de vue macroéconomique local, l'hypothèse que l'on formule, c'est que ces territoires très socialisés vont être moins exposés, donc du coup un peu moins impactés que notamment les locomotives qui, elles, faisaient porter leur dynamique de développement plutôt sur des moteurs productifs, notamment concurrentiels et exportateurs, mais aussi présentiels. Ce sont les secteurs d'activité qui s'adressent uniquement à une clientèle locale. Et ça, c'est quand même la grande nouveauté de cette crise, c'est qu'avant cette crise, l'économie présentielle était plutôt une économie abritée. Et même parfois, on avait tendance à l'appeler de cette façon-là. Alors, aujourd'hui, compte tenu de la nature de la crise, parmi ces secteurs présentiels ou anciennement dits abrités, on retrouve des secteurs, par exemple, comme les salons de coiffure, qui évidemment sont éminemment impactés, tandis que d'autres, comme la boucherie ou la charcuterie, d'une certaine manière, entre guillemets, ont plutôt profité de la crise. Donc, en fait, nos locomotives pourraient être plus impactées et on le perçoit déjà plus ou moins bien que nos wagons,
Mais ça, c'est le premier temps, c'est-à-dire c'est le premier impact. Mais ensuite, la question qui se pose, c'est la capacité de rebond. Et là, évidemment, il est tout à fait possible et probable que, par exemple, les métropoles ou nos locomotives, alors on observait beaucoup de territoires très dynamiques, par exemple, dans l'ex-région Rhône-Alpes, avec des territoires qui avaient bâti justement leur développement sur des dynamiques industrielles assez porteuses, des dynamiques touristiques elles aussi assez porteuses, donc une combinaison de moteurs, une diversification de leurs moteurs qui était tout à fait intéressante. On a les territoires transfrontaliers aussi, qui étaient des territoires plutôt dynamiques avant crise, par exemple en Alsace ou le long de la frontière luxembourgeoise, même le Genevois français, qui était une sorte de territoire béni des dieux, alors qui était confronté à des problématiques environnementales très marquées, mais en tout cas d'un point de vue social, était un territoire qui enregistrait des dynamiques tout à fait favorables, qui a été très massivement impacté du point de vue du chômage et du point de vue de l'emploi par la crise. Donc il faut bien dissocier, c'est ça qui est un peu compliqué dans l'analyse et la compréhension de ce qui se passe en ce moment, et on est en plein dedans, donc on n'a pas de recul, c'est qu'il y a un premier temps, c'est les premiers impacts qui peuvent être plus ou moins forts et qui semblent quand même très forts donc dans nos locomotives et peut-être un peu plus modérés, notamment du fait de ces amortisseurs sur lesquels vivent ces territoires que sont entre guillemets nos wagons, mais après effectivement se posera la question de la capacité de rebond, et c'est là sans doute que les locomotives seront mieux dotées pour pouvoir relancer la machine. Donc dans un premier temps, l'hypothèse que l'on formule, c'est qu'on pourrait observer une sorte de mouvement de réduction des inégalités territoriales, mais qui s'opérerait vers le bas, les locomotives ayant tendance à converger entre guillemets vers les wagons. Mais après, par rapport à la question du rebond, il est très probable que les inégalités se recreusent, sachant que les locomotives pourraient reprendre leur essor. Mais là encore, je généralise quelque chose qui mérite des zooms assez pointu, plus qu'au sein de chaque catégorie, je le répète, c'est là où, de mon point de vue, la distinction trop clivante entre l'urbain et le rural ou le métropole et ce qu'il n'en est pas, et aujourd'hui, pour observer ces dynamiques et ces phénomènes-là, me semble surannée. Donc voilà pour les premiers éléments, très synthétiquement, que l'on peut observer aujourd'hui. Ensuite, par rapport à la première question que vous évoquez, alors je le répète, hein, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions, et c'est plutôt Vincent Passini qui travaille à ces choses-là. Je vous parlais tout à l'heure de notre volonté d'essayer de mobiliser plusieurs grilles d'analyse dans le cadre de nos travaux. Donc notamment, on a mobilisé une première qui a été développée par le chercheur Laurent Davzy, qui nous permet de travailler sur les logiques de circulation de richesses entre territoires, plutôt qu'uniquement se polariser sur la question de la croissance économique. Et aussi, on mobilise une autre grille d'analyse, qui est celle de l'économie symbiotique, qui a été développée par Isabelle Delannoy, et qui effectivement constitue, notre point de vue, une porte d'entrée intéressante, toujours dans cette perspective de travailler au changement des représentations, et proposer ensuite des outils qui permettent de faciliter le passage de la réflexion à l'action, qui constitue un peu notre mantra à Passini et à moi-même, qui consiste à se polariser non plus uniquement sur les externalités négatives, mais plus encore sur la question des externalités positives. Donc l'idée d'essayer peut-être de combiner dans la réflexion des problématiques qui renvoient finalement à la nécessité de s'inscrire par moment dans un registre décroissantiste, qui renvoie à la limitation des ressources, sachant que la Terre n'est pas indéfiniment extensible, hein, même pas du tout. Et d'un autre côté, c'est comment s'inscrire dans un registre peut-être plus positif, parce que c'est aussi ça le problème auquel on est confronté dans le cadre de nos travaux, c'est qu'on a tendance à un peu passer pour des Cassandres, dans la mesure où, en ce moment en tout cas, on met en exergue principalement que des phénomènes négatifs. Hein, plus que l'emploi s'effondre à peu près partout, le chômage explose à peu près partout. Alors évidemment, heureusement, il y a déjà des sous-cycles où le troisième trimestre, le chômage a sensiblement diminué parce que l'emploi est un peu remonté, mais on n'est pas évidemment revenu au niveau d'avant-crise. Mais on va probablement être confronté à une trajectoire en W avec le deuxième confinement. L'activité risque à nouveau de s'effondrer, le chômage de remonter. Bref, donc du coup, ce que l'on cherche aussi, c'est à mobiliser des grilles d'analyse un peu plus positives, et notamment, de ce point de vue-là, la perspective symbiotique est intéressante, dans le sens où on cherche à plutôt se polariser sur en fait, l'optimisation des externalités positives. Par exemple, le principe de l'économie circulaire est à cet égard tout à fait intéressant. Alors après, comment mettre en œuvre là, vous me poser une colle, il est difficile à ce stade-là d'y répondre. Nous, la chose sur laquelle nous sommes convaincus en tout cas, et ça renvoie très clairement à ce qui a été dit largement, et c'est ce que nous portons dans nos missions d'accompagnement des territoires, c'est qu'avant toute chose, nous travaillons donc d'une part à un partage des enjeux,
qui permet justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de travailler à une évolution des représentations sur tel ou tel sujet, et du coup de créer une sorte, à partir des enjeux, vous fabriquez comme une colle cognitive qui permet en fait un écosystème d'acteurs qui n'avaient pas nécessairement vocation à travailler ensemble à l'origine, de tout d'un coup s'engager dans une voie commune. Et notamment ensuite d'élargir cet écosystème à tous les opérateurs que nous on appelle là aussi ressources qui ont la capacité de contribuer à répondre aux enjeux qui ont été identifiés. Alors dit comme ça, ça ressemble à enfoncer quelques portes ouvertes, mais néanmoins mettre en pratique c'est déjà un peu plus complexe, mais en tout cas c'est de cette façon-là que nous procédons. Donc nous partons d'un changement des représentations qui est construit sur la base d'un apport de connaissances un peu nouvelles, pour définir des enjeux communs qui, derrière, nous permettent de faire travailler des écosystèmes, sachant que, et ça c'est une phrase qu'utilise souvent Vincent Passini, nous avons la conviction que mieux vaut un mauvais projet dans un bon écosystème qu'un bon projet dans un mauvais écosystème. Et donc, partant de là, nous avons des méthodes d'animation qui nous permettent de faire travailler collectivement des acteurs d'horizons très divers qui, l'espace d'un moment, posent leur casquette propre, institutionnelle, de chef d'entreprise, de représentant de la chambre de commerce ou que sais-je, et qui appréhendent de manière plus transversale qu'ils n'ont l'habitude de faire des sujets et qui se positionnent comme étant une ressource pour répondre à des questions clés qui se posent pour le territoire. Et c'est de cette façon-là que nous procédons. Alors là, vous me faites parler de choses qui ne renvoient pas à ce qu'on fait concrètement dans l'Observatoire des impacts territoriaux, mais en même temps, notre réflexion est guidée par ce que nous conduisons dans les territoires avec les territoires eux-mêmes. C'est comme ça que nous procédons et que nous obtenons des résultats tangibles où, in fine, nous arrivons à faire émerger sur tout un tas de sujets, sur les questions économiques, mais aussi sur des sujets énergétiques, environnementaux, à faire émerger concrètement des actions qui sont portées par les acteurs de terrain. Merci beaucoup pour cette vision un peu plus positive que celle qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours. Et je vais rester sur, on va dire, ce volet un peu positif et je vais m'adresser à Caroline Mini pour lui poser la question. Aujourd'hui, on a une relance dite écologique. Donc, quelles sont les opportunités qui sont offertes par cette relance dite écologique et dans quelle mesure les territoires peuvent-ils bénéficier de cet axe de transformation ? Oui, tout à fait. Je vais peut-être reprendre tout d'abord l'axe écologique dans le plan de relance et puis ensuite aborder les différents impacts de la transition écologique sur les emplois et donc tirer le territoire. Donc, dans le plan de relance aujourd'hui, il y a trois axes, cohésion territoriale et sociale, la compétitivité et la transition écologique. Sur les 100 milliards, il y a 30 milliards accordés donc à la transition écologique. Ensuite, ces montants sont répartis en fonction de différents thèmes au sein de la transition écologique. Donc déjà, il faut savoir que ce montant 30 milliards, il est plus élevé en valeur absolue et en relatif que celui dans le plan de l'Allemagne, par exemple. Et donc, au sein de cette transition écologique, plusieurs activités sont ciblées et l'une d'entre elles, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Et c'est bien un axe qui contribue à l'emploi local. Et notamment, avec la rénovation des bâtiments publics, on voit que la commande publique aura un rôle à jouer pour accélérer cette transition et aussi continuer à faire travailler ensemble les entreprises et les collectivités pour du coup engendrer cette rénovation des bâtiments, cette transition écologique qui va amener à créer de l'emploi local. Donc, ce qui a déjà commencé, puisque la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un sujet qui est traité depuis de nombreuses années. Donc, maintenant, on peut se demander quel est l'impact de la transition écologique sur l'emploi et sur les territoires. Donc, comme je disais, au niveau global, donc à un niveau très agrégé, sur l'ensemble de l'économie, la tarification du carbone donc, n'a pas d'impact au niveau global. Mais il y a des impacts qui sont très différents selon les secteurs. Et notamment, on a vu que les secteurs les plus touchés sont les secteurs les fortement consommateurs d'énergie. Donc, il y a un besoin d'investir dans la formation et donc de réaliser un travail sectoriel entre les entreprises et les collectivités pour permettre de monter en compétence ces travailleurs
qui vont évoluer. Donc, par exemple, si une personne construisait des moteurs thermiques, peut être amenée à demain fabriquer des bornes de recharge électrique ou les poser. Donc, du coup, il va y avoir une montée en compétences vers ces emplois verts. Donc, du coup, il y a un besoin à la fois d'anticiper ce besoin de formation et aussi d'évaluer ce coût qui va dépendre des compétences techniques pour passer d'un métier à l'autre. Et en fait, on voit aussi que cette transition écologique, mon premier impact, c'est l'impact sur l'emploi, donc sur les secteurs. Deuxième, c'est sur les qualifications. Donc, en fait, plusieurs études économiques ont montré que l'impact sur les qualifications est différent, donc sur le niveau de qualification, et qu'on voit que cette transition écologique va demander davantage une part plus importante de techniciens et un peu moins d'emplois peu qualifiés. Donc, tout l'enjeu est comment on permet au travers de monter en compétences sur des notions plus techniques. Donc, quelles sont les formations et en fonction, effectivement, des métiers, puis de la marche à atteindre pour passer donc d'emplois moins qualifiés à des emplois plus qualifiés. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est on voit aussi que la transition écologique permet de créer davantage d'emplois de façon indirecte. Donc, on parle d'un effet multiplicateur. Donc, c'est le cas où un emploi permet de créer des emplois dans d'autres secteurs. Donc, on parle de création indirecte d'emplois, donc par exemple dans les secteurs des services. Donc, c'est le cas de l'industrie. Pour un emploi industriel, on a environ 3 emplois créés de façon indirecte dans les services. Donc, ça peut être la restauration, les services liés à la garde d'enfants, etc. Et donc, c'est le cas pour les emplois verts. C'est-à-dire qu'un emploi vert permettrait de créer entre 2 à 4 emplois dans les services, alors qu'un emploi, par exemple, dans le secteur de l'extraction du gaz ou du pétrole, crée environ un emploi dans ces autres secteurs. Et enfin, dernier point, l'impact sur l'emploi de la transition écologique aura des différences régionales et sectorielles fortes. Et donc, je rejoins ce qu'a dit Hélène. Donc, notamment dans les secteurs où il y a des spécificités industrielles, les impacts vont être différents. Donc, par exemple, l'impact transition écologique en Occitanie avec le redéploiement de l'aéronautique va être différent de l'impact en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a une étude qui a été réalisée par Entreprises pour l'environnement, EPE, qui s'appelle ZEN 2050, qui a montré que 3 secteurs sont majoritairement impactés par cette transition, les transports, les bâtiments et la production d'énergie. Donc, c'est en gros 15% des emplois dans l'ensemble de l'économie. Et donc, pour ces secteurs, globalement, il y a une création nette d'emplois, mais il y aura des décroissances et des croissances ensuite selon, quand on regarde plus finement au sein des secteurs et selon les territoires. Et donc là, pareil, il y a un enjeu de formation très important qui va demander donc une anticipation de ces besoins au niveau sectoriel, donc au niveau territorial, et en fonction de pouvoir du coup estimer quelles sont les compétences à acquérir et quels sont les coûts de ces formations pour permettre donc, en fonction des secteurs et des territoires, de monter en compétences les personnes pour répondre, pour pouvoir faire ces nouveaux emplois verts. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos différents exposés. J'ai des questions qui se recoupent du côté des participants. On a abordé le côté très local et des participants se posent la question de finalement la coordination et de la cohérence des actions qui sont menées entre échelons territoriaux et collectivités voisines, ramenant à la question de l'interterritorialité, mais aussi le rôle de la région dans la mise en place de la transition écologique. On est vraiment entre la gouvernance très locale et finalement ce qui a été mis en place au niveau national. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à donner à ces interrogations ? Oui, Hélène. Je veux bien répondre sur la place des régions. Je pense que c'est un sujet majeur qui, pour le moment, n'est pas assez mis en avant. Alors, les régions sont, en l'occurrence, les relais du programme Territoires d'industrie, mais peut-être pas assez d'une dynamique de transition territoriale dont elles seraient les animateurs, pas forcément les pilotes. D'abord dans l'application de leur schéma régional, le SRADET, qui est un schéma intégrateur de l'ensemble des politiques publiques sur le territoire régional, mais aussi dans l'accompagnement des filières économiques, un peu filière par filière, sur lesquelles elles ont une compétence, les régions. Et on voit bien que certaines régions le font peut-être plus que d'autres. Je pense à la région Grand Est sur la construction, par exemple, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais il y a de longue date une dynamique assez forte autour de la construction durable et de la construction bois en particulier. Donc, la région elle-même est très impliquée là-dedans.
en Ile-de-France aussi sur la construction, alors je parle des domaines que je connais mieux, mais il y a un dispositif lié aux écomatériaux et à la transition écologique dans le monde de la construction. Donc, pas tant dans l'économie d'énergie dans le bâtiment en exploitation, mais bien dans les modes de construction. Et on voit bien que ce sont des sujets, et que l'Occitanie réfléchit sur les évolutions des grandes filières de son territoire, mais ce sont des sujets sur lesquels peut-être il pourrait y avoir un déploiement d'outils un peu spécifiques par région qui, à ma connaissance en tout cas, n'existe pas encore complètement aujourd'hui. Merci pour votre réponse. Sébastien Bourdin ? Ouais, pour compléter, oui, c'est vrai que là, la région, les régions, avec les réformes territoriales récentes, jouent un rôle majeur dans le développement économique, de plus en plus, et aussi, de manière générale, dans la planification des transitions écologiques. Et je pense notamment au SRADET, qui le fameux schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce SRADET, c'est vraiment un document qui est intégrateur, qui porte sur l'aménagement, la mobilité, l'énergie, la lutte contre le changement climatique. Et ce SRADET, il a un rôle fondamental dans la définition de la stratégie régionale pour aller vers plus de développement durable et la déclinaison de cette stratégie aux échelons inférieurs. Et je rejoins encore une fois l'idée de dire que cette montée en compétence climat, air, énergie des collectivités, elle est aussi importante et que les collectivités territoriales, encore une fois, doivent jouer ce rôle d'intermédiation territoriale, c'est-à-dire de facilitateur des collaborations entre les acteurs des territoires pour mettre en œuvre des projets de territoire. Alors, je pense notamment aux projets liés au territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui sont des vrais projets de territoire où la collectivité, par exemple, s'engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs, etc. Et ces projets qui sont portés par ces territoires, en général, ils fédèrent beaucoup d'acteurs. Et c'est souvent ce type de fonctionnement sur projet qui permet de faire adhérer le plus grand nombre. Merci beaucoup. On a également une question. Est-ce qu'on n'a pas finalement un fossé énorme entre les grandes stratégies, les volontés affichées et puis les actions menées au quotidien en matière de transition écologique? Bon, je veux bien essayer de répondre aussi là-dessus. Je crois qu'en d'une certaine manière, on ne voit pas tout. En fait, c'est un peu ce que je disais sur les petites villes dans lesquelles nous, on a un peu décentré le regard, parce qu'on en voit surtout les métropoles, on voit surtout les gros, on voit surtout les grandes filières, on voit surtout Airbus, justement. On ne voit pas ce qui se passe réellement sur des plus petits territoires, dans des plus petites structures. Je crois vraiment qu'il y a aussi de l'innovation et de la créativité un peu partout en France sur des territoires plus petits, et dans des dispositifs assez variés, associatifs, coopératifs, y compris entre entreprises, par filière, de la coopération entre agriculteurs sur la méthanisation, de la participation citoyenne à des projets d'énergie renouvelable, des territoires comme la Biovallée dans la Drôme. Alors, on parle beaucoup de la Biovallée ou de l'Ostangoual, mais sur lesquels, bien qu'on parte d'un territoire d'abord très défavorisé du point de vue de la désindustrialisation, il y a une vraie dynamique locale de reconversion. Donc, je crois que c'est plutôt l'ombre portée qui fait qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, en réalité. Et la dynamique des territoires énergie positive pour la croissance verte, que je connais très bien, elle a aussi porté beaucoup sur des petits territoires, des parcs naturels régionaux, et des acteurs qui sont peut-être moins visibles médiatiquement, mais qui en réalité agissent beaucoup. Et par ailleurs, cette dimension de la proximité, en fait, est très facilitante pour ces enjeux de transition, parce que dans une petite ville qui a finalement peu de services techniques, contrairement aux métropoles, et qui donc n'est pas en silo technique, finalement, la relation entre les élus, décideurs et les parties prenantes est beaucoup plus simple et rapide. Il y a évidemment des questions de formation, de sentiers de dépendance un peu à des modes de faire anciens. Mais pour autant, nous, on observe en tout cas beaucoup de dynamiques positives de transition dans les territoires. Après, on n'arrive pas à mesurer peut-être des impacts systémiques
On n'arrive pas à mesurer réellement ce que ça produit. On constate pas d'ailleurs des baisses drastiques des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est sans doute encore un peu des petits pas. Mais je crois qu'il faut il faut éviter de croire que en fait il se passe rien. Il se passe beaucoup de choses. Malheureusement, encore une fois, on a du mal à le mesurer et on a du mal à l'observer. Et notamment dans ces collectivités, pour compléter, dans ces territoires qui ne sont pas souvent mis en avant, plutôt de petites dimensions, on a des innovations qui sont autres que technologiques. On a des innovations qui sont organisationnelles et aussi des innovations qui sont basées sur ce qu'on appelle la frugalité. Et donc, on arrive à faire de super belles choses dans tous les territoires, y compris dans les territoires ruraux. Et je pense notamment aux travaux d'André Thor qui sont très éclairants sur la place des territoires ruraux aussi dans les innovations qu'on peut retrouver au niveau local et dans la transition écologique en particulier. Ouais. Et merci beaucoup. Je vais donner la parole à Pierre Vels qui voulait rebondir sur plusieurs interventions de nos invités. Oui, moi je pense qu'il y a une chose très très intéressante, en particulier je suis extrêmement d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant par Hélène et Sébastien. Il se passe beaucoup de choses sous les radars en France qu'on ne connaît pas. Parce que, et d'ailleurs, je crois que la pandémie aussi a donné lieu à toutes sortes d'initiatives locales extrêmement intéressantes, souvent technologico-sociales, et qui sont sous les radars. Quoi. Vraiment, on en parle très peu au niveau national et parfois même au niveau local. Donc, je pense que ça, c'est... Il y a un contraste pour moi entre le. Enfin, c'est pas, ça ne date pas de la crise actuelle, hein. Il y a un contraste énorme entre, je trouve, la dynamique de créativité qui est très forte dans ce pays et l'incroyable morosité un peu géniarde de ce que nous retransmettent les médias à l'échelle nationale. Quoi. Enfin, c'est assez, je trouve ça assez frappant. Quoi. Alors après, moi, j'aurais beaucoup de réactions, mais d'abord, moi, je suis pas très chaud sur cette idée qu'il y aurait des emplois verts et des emplois pas verts. Quoi. Bien sûr, on voit que les sujets proprement liés à la transition ou transition vont créer des nouveaux types d'activités. Je pense que c'est très important parce que, évidemment, on va avoir des suppressions d'emplois massives dans un certain nombre de secteurs, donc c'est très important de... qui est des relais, mais ces relais ils sont aussi dans l'économie traditionnelle, quoi. C'est-à-dire, je pense que le problème c'est le verdissement de l'ensemble de notre économie. C'est pas le fait d'avoir un secteur vert à côté d'un secteur. Et je reviens sur ce que je disais au début de ce point de vue-là. Je pense qu'on sous-estime aujourd'hui la motivation de beaucoup d'industries traditionnelles à se transformer parce qu'elles ont compris que elles s'en sortiraient pas autrement, quoi. Et dans l'opinion publique, là je m'adresse à la fabrique de l'industrie, hein, dans l'opinion publique, l'industriel c'est quand même encore un peu l'ennemi de la transition écologique parce que l'industrie égale pollution, égale, voilà. C'est une image qui a quelques raisons d'exister, bien sûr, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de fondement à ça, mais je pense qu'il serait temps de comprendre que les industriels sont des alliés potentiels de la transition écologique, parce qu'on ne fera pas contre eux, et je pense qu'on peut faire beaucoup avec eux. Et je pense que là, il y a une piste qui n'est pas suffisamment exploitée. Bon, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a besoin un peu de, c'est un peu le rôle des chercheurs, c'est aussi parfois un peu de, peut-être de re-questionner ces idées reçues. Je prends deux exemples, la rénovation thermique des bâtiments. Alors c'est l'alpha et l'oméga de, on en parle partout, moi je suis pour évidemment. On oublie qu'il y a d'autres volets au sujet bâtiment, et en particulier la nature de l'énergie qu'on va utiliser. Enfin, c'est très bien d'économiser, mais c'est des enveloppes assez étonnantes, alors que ça fait des décennies qu'on en parle et que ça ne marche pas vraiment. Alors, bien sûr, il faut le faire, mais le problème clé, c'est quand même aussi quel type d'énergie on va injecter. Si vous voulez décarboner massivement du jour au lendemain le secteur du bâtiment, à la limite, ce que je veux dire est provocateur, passons à
puisqu'on a la chance d'avoir une énergie électrique décarbonée. Mais je pense par exemple à la question de la chaleur, est une question absolument de production de chaleur au niveau local, on en parle quand même assez peu. Bon, moi, je suis très marqué par l'expérience qu'on a eue, qu'Hélène connaît bien, de la construction de ce réseau de chaleur en géothermie sur contre la terre entière, y compris Hélène, tu t'en souviens peut-être, ton propre ministère à un moment donné, alors que c'est quand même un sujet absolument majeur. La décarbonation de la production de chaleur, la géothermie, est un enjeu absolument majeur. On en parle beaucoup moins que des enjeux. Deuxième sujet. Alors que les enveloppes, je fais juste une parenthèse, et les Allemands viennent de se rendre compte qu'ils avaient investi des milliards dans les enveloppes thermiques des bâtiments et qu'une partie de ces milliards ne servait à rien parce qu'il y a notamment un truc qui s'appelle l'effet rebond. Quand vous isolez plus le bâtiment, vous augmentez le thermostat et vous perdez une grande partie de l'argent que vous avez investi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais on devrait avoir une vision plus large. Bon. Deuxième sujet, les mobilités. Bon, moi, je suis. Bien sûr, il faut mettre des mobilités douces partout et tout, mais quand on regarde aujourd'hui, où sont les émissions principales en termes de mobilité, c'est principalement dans les mobilités périphériques des grandes agglomérations françaises, en particulier des grandes agglomérations provinciales. Ce qui se passe dans les centres-villes est tout à fait mineur. C'est lié évidemment au sujet de l'étalement urbain qui dépasse d'ailleurs de beaucoup les périmètres aujourd'hui administratifs des métropoles. Pourquoi, dans la situation où nous sommes, n'a-t-on pas des grands projets d'investissement? Par exemple, je prends un exemple sur Aix-Marseille-Provence. Aix-Marseille-Provence, c'est le royaume de la bagnole, comme vous savez, alors qu'on a un réseau ferré qui pourrait être remis en état. Les projets existent, les gens qui ont travaillé sur le projet de métropole, Vincent Fouché par exemple, pour pas le nommer, le projet existe. On pourrait mettre en place un système RER sur Aix-Marseille. On le fait pas. Ben pourquoi? On pourrait faire la même chose sur Lyon. Vous savez que le problème de Lyon, c'est que là aussi, on a les infrastructures, il y a un problème de gare, mais on a les infrastructures et on pourrait imaginer, ça aujourd'hui, l'offre en transport en commun de transports régionaux pour alimenter le grand pôle d'emploi lyonnais est totalement insuffisante, totalement saturée. On devrait investir dans ces sujets-là. Voilà. Et puis le sujet de l'étalement urbain, pardon, mais le problème, ce n'est pas l'étalement urbain en tant que tel, c'est la déconnexion qu'on a faite entre l'étalement urbain et l'organisation des transports, précisément. Les Allemands ne se posent pas cette question du tout de la même façon que nous, parce qu'ils ont développé leur pôle sur des pôles importants de transport en commun. Et ça passe quelque part, on peut être velléitaire tant qu'on veut sur ces sujets-là, mais tant qu'on ne sera pas décidé à replanifier, pardon, j'utilise un mot qui est devenu un peu ringard, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on a laissé les PLU communaux, les communes totalement libres de développer partout dans la nature tous les lotissements qu'elles voulaient. Si on ne revient pas à une planification un peu plus structurée et un peu plus, j'allais dire rigide, hein, de certaines façons, impliquant à la fois les transports et l'urbanisme. Donc d'accord avec ce que dit Hélène sur le fait qu'on peut réfléchir à des façons de mieux utiliser la ressource immobilière, on devrait commencer par organiser l'ensemble du système. Et pour finir, pour ne pas être trop long, je pense que dans les échelons, on a évoqué la région, qui est un échelon absolument majeur, mais il y a aussi l'État. Des grands projets, on a les grands projets de transport comme ceux que j'évoque, si on veut le faire à Toulouse, à Bordeaux, à Aix-Marseille, à Lyon, à Lille avec le bassin minier, etc., qui aujourd'hui est très, très mal connecté, etc., c'est des trucs qui impliquent l'implication de l'État. Il faut économiser les ressources, mais les transitions écologiques, elles ne se feront pas si on n'a pas aussi des investissements qui sont des investissements à l'échelle nationale et européenne.
Ça, je pense qu'il faut. On peut pas être toujours dans le signe moins. Il faut qu'on soit aussi dans le signe plus, et que si on veut vraiment bifurquer le système, à mon avis, ça passe par des grands investissements qu'en France on n'ose plus faire. Et donc peut-être on va me traiter de néo-colbertiste, mais j'assume. Alors, regardez ce que fait par exemple la Grande-Bretagne aujourd'hui en matière d'éolien. Ils ne sont pas en train de négocier quelques éoliennes à terre parce que personne n'en veut, mais ils ont maintenant des projets absolument massifs qui ont comme avantage aussi de réimpliquer un certain nombre de grands acteurs du monde thermofossile, parce qu'ils vont trouver là des moyens de rebondir, et que c'est aussi une façon de faire, de faire de l'éolien en mer. Alors, il n'y a pas que, il y a aussi les Néerlandais, les Danois, enfin, de manière générale, les pays du nord de l'Europe, de l'éolien absolument massif en mer. Bon, nous, on a quelques petits projets. Bon, voilà, je trouve qu'il faut aussi réfléchir à cette échelle-là. Pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Il est midi passé. On va devoir terminer ce webinaire. Merci à l'ensemble des participants d'avoir été présents aujourd'hui. L'équipe de la Fabrique et de l'Observatoire des territoires d'industrie. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et on vous donne rendez-vous en début d'année 2021 avec un nouveau territoire d'industrie. Merci à tous.